Bien, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir de me retrouver ici, et un honneur également, un plaisir essentiellement parce que, au fond, cher Pascal, puisque vous m'avez demandé de participer à cette journée, vous avez voulu me faire rajeunir, mais dans mon cas, le docteur Faust ne buvait pas un élixir quelconque, il buvait du 24 heures, bien entendu, et c'est grâce à cela qu'il reprenait en quelque sorte pied avec un passé lointain, puisque, en effet, j'ai pendant 5 ans ici présidé à ces 3 conseils qui font marcher les universités, ou avec lesquels les universités doivent marcher, et vous m'y faites revenir, après un certain nombre de soutiens de thèse également, à propos du vin de Cahors, qui connaît actuellement un grand renouveau au point de vue de sa qualité, de sa production, et je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait exemplaire. Ce n'est pas le seul cas au demeurant, mais parmi les vins du Haut-Pays, on est arrivé désormais à Cahors à une qualité qui est tout à fait remarquable, que je tiens à saluer, que je connais bien, puisqu'en effet, mes racines lotoises sont tout de même tout à fait importante et concerne une grande partie de ma famille. Mais aussi, si vous voulez, à cause de cela, j'ai connu très tôt le vin de Cahors. En réalité, j'ai toujours connu du vin de Cahors et j'ai toujours vu en boire dans ma demeure familiale. Mais surtout, je crois que grâce à votre centre de recherche, l'histoire du vin de Cahors est enfin en train de prendre un essor qui, jusque-là, était tout de même très limité. J'ai écrit à 2 reprises des articles de synthèse sur les vins des hauts pays aquitains, et dans ces 2 articles, les 2 fois, l'un il y a 20 ans, l'autre il y a 10 ans, j'insistais sur le fait que le vin de Cahors restait très mal connu au point de vue historique, même s'il y avait des études ponctuelles qui existaient et qui d'ailleurs ont été reprises dans ce livre collectif. Ce livre collectif qui est une des grandes étapes du renouveau de l'intérêt historique pour les vins de Cahors. Et puis il y a la très belle thèse de Sophie Bronac-Lafont récente qui nous éclaire sur le vignoble de Cahors entre, disons, le milieu du XVIIe et le milieu du XVIIIe siècle, et qui nous a d'ailleurs apporté quelque chose de tout à fait surprenant, car en effet, alors que dans tous les autres vignobles, sans exception, il y a de grandes propriétés viticoles qui sont à l'origine du développement de cette viticulture, de son essor, etc., ce qui nous frappe beaucoup, c'est qu'à l'époque que vous avez étudié, madame, la petite propriété est l'élément essentiel du vignoble de Cahors. Donc on a un type de vignoble qui est totalement original et qui, malgré cela, réussissait à très bien marcher, parce qu'il faut bien se rendre compte ici, lorsqu'on considère les sources bordelaises, que le Cahors fait partie des vins que recherchent énormément non seulement les Bordelais, mais aussi les clientèles européennes en général. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons, d'abord, c'est que le vignoble, le vin de Cahors, comme le vin de Cailhac, est un vin médecin. Il faut toujours se rappeler que le vin de Bordeaux, avant, disons, le dernier tiers du XIXe siècle, est un vin dans lequel le coupage est une habitude tout à fait normale. Je n'ai jamais regardé sans quelque ironie les procès qui ont eu lieu à des dates récentes, dans la mesure même où on est, si vous voulez, à contre-pied de ce qu'a été cette histoire. Et le coupage se faisait avec les Cahors et les Gaillac pour des vins proches, avec des vins de l'Ermitage. Vous ne pouvez pas savoir l'affliction qu'ont eu les Bordelais en 1720 lorsque la peste a éclaté, car les vins de l'Ermitage n'arrivaient plus. Donc on ne pouvait pas renforcer des vins de Bordeaux qui arrivaient péniblement à 9 degrés, 9,5 degrés d'alcool, ce qui était effectivement un peu trop faible, au point que l'on faisait appel aussi à du vin de Benicarlo, qui était tout à fait
répandue et qui arrivait en quantité tout à fait intéressante. Un grand géographe bordelais, Alain Heuselamps, nous a écrit un très bel article au demeurant à ce sujet. Donc un vignoble médecin, voilà le premier point qui est important. Deuxièmement, un vignoble et un vin qui jouent un rôle tout à fait important pour l'ensemble de la vallée du Lot et par là même pour Bordeaux, car Bordeaux tire une grande partie de ses ressources à la fois du Lot et de la Garonne, relativement peu de la Dordogne, pour une raison très simple, c'est que la Dordogne est plus difficilement navigable, n'a pas été finalement travaillée à ce point de vue-là comme l'ont été le Lot et la Garonne, et il y a véritablement une descente tout à fait importante des céréales, des fruits et des vins par la vallée du Lot, avec comme point central de navigation Clérac, Clérac qui, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, est véritablement, on pourrait dire, Clérac pré-Bordeaux, dans la mesure même où les Cléraquais jouent un rôle essentiel. Mais quand nous sommes à Clérac, bien entendu, nous sommes quasiment à l'embouchure du Lot dans la Garonne, et ceci vous explique le rôle qu'avaient les bateliers de Clérac. Alors voilà ce que je voulais dire ici. Rappeler également que l'aménagement de la vallée du Lot a été fait à partir du XIIe siècle essentiellement pour les céréales et pour les vins, et que donc nous avons une histoire extrêmement longue du vignoble de Bordeaux, de Cahors, qui méritait véritablement d'être approfondie, qu'il est aujourd'hui grâce à vous, et je tiens à vous dire que pour ma part, j'en suis extrêmement heureux et particulièrement heureux de le dire dans cette salle des actes, donc j'ai beaucoup fréquenté à une certaine époque de mon existence. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, donc nous allons passer à cette première partie de la soirée qui va être donc d'écouter trois intervenants, Monsieur Régal, Madame Sophie Brenac-Lafont et Monsieur Labourie. Je voulais juste rappeler en tant que géographe que nous parlons sur un terrain qui est entre le forum romain derrière nous, rue Soufflot et la vallée de la Seine, était peuplé de vignes à l'époque gauloise. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi dans la continuité dont a parlé M. Poussou tout à l'heure et que je voulais rappeler. Voilà, donc j'en dis pas plus, je vais donner la parole à M. Régal, qui doit vous parler de la vigne et du vin dans la cité antique de Cahors, au titre de l'archéologie à l'INRAP, qu'il pratique depuis quelques années, je crois. Merci beaucoup. Présentation. Merci pour votre accueil. Très heureux de venir parler de ce que l'on sait du vignoble de Cahors chez les Gaulois et les Cadurques gallo-romains, dans ce lieu tout à fait prestigieux. Donc effectivement, je travaille à l'INRAP Midi-Méditerranée, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Je suis également administrateur de la Société des études du Lot. Et donc c'est à cette double casquette donc, que j'ai le plaisir de vous présenter l'état des connaissances sur la viticulture en Quercy. Les sources, tout d'abord, nous avons la chance d'avoir des sources antiques extrêmement abondantes. Depuis Caton l'Ancien, qui a été repris par Columel, toute une série d'auteurs latins qui lui ont succédé, Pline l'Ancien, Quintus Gergilus, Pelagonius, qui ont abondamment parlé du vin et de la vigne, essentiellement en Italie, mais également pour une grande partie d'entre eux dans tout l'Empire, ce qui nous intéresse au plus haut point, bien sûr. Et puis, on arrive évidemment à l'empereur Domitien, au nid des producteurs de vin de Quercy, qui en 92 de notre ère, à la fin du 1er siècle, a fait arracher la moitié des vignes de la Gaule et interdit toute nouvelle plantation dans l'Empire romain. Donc cette décision répondait à une double volonté. C'était à la fois la volonté de protéger les vignerons italiens et c'était également la volonté de sauvegarder la culture du blé. On sait tous que la culture du vin, c'est beaucoup plus rentable que la culture du blé, mais le blé est essentiel tout de même à la vie et il fallait absolument cadrer les choses à la fin du 1er siècle.
Mais en 213, puis à la fin du IIIe siècle, en 276 et 282, les empereurs Caracalla puis Probus vont libéraliser de nouveau la culture de la vigne. Donc on imagine qu'à cette date-là, les choses rentrent dans l'ordre et les Gaulois ou les Latins qui sont implantés en Gaule vont de nouveau pouvoir cultiver librement la vigne dans le Quercy. Palladius, qui est probablement préfet au IVe siècle, va rédiger un traité important, le traité de l'agriculture, qui est une source d'informations très importante pour qui s'intéresse au vin dans l'Antiquité romaine. Et puis, évidemment, là, je suis un petit peu à la limite de ma chronologie, parce que là, on est durant le Moyen-Âge, entre 630 et 654. Didier, l'évêque de Cahors, laisse une mention très célèbre parce qu'il envoie à son ami Paul, l'évêque de Verdun, 10 vases ou des tonneaux. La traduction n'est pas du tout claire. Elle a été, les historiens, les traducteurs se bagarrent un petit peu pour déterminer l'origine. Et en tout cas, il parle du noble vin de Falerne, qui n'est probablement pas le plus grand vin connu à l'époque. En tout cas, si on considère en tout cas que Didier fait l'envoi à son ami Paul de vin de sa propre production. Et vous savez que Didier était propriétaire d'un très très grand domaine, de plusieurs grands domaines même, entre l'Albigeois, pays de sa famille d'origine, et le Quercy, dont il a été l'évêque de Cahors au milieu du 7e siècle. Nous savons par les auteurs latins qu'il existait plusieurs cépages, notamment le Defrutum et le Carinum, qui sont très, très utilisés à l'époque romaine. Donc ça nous permet, par l'interprétation des textes, mais également par l'archéologie expérimentale, reproduire ces cépages. Et on se rend compte que ça n'a de vin, ça ne ressemble absolument pas au vin que l'on consomme de nos jours. Il s'agit plutôt de préparations qui sont extrêmement travaillées, élaborées, qui sont très souvent utilisés pour agrémenter les sauces. Et souvent, ça confine avec le garum, avec des choses qui ont un goût très aigre-doux, très sucré. C'est assez déroutant. Je ne sais pas si vous avez l'occasion vous-même de goûter ces vins qui sont reproduits, mais on est très, très loin du vin de Cahors, évidemment. Nous connaissons, grâce aux auteurs antiques du 1er et du 2e siècle de notre ère, de très nombreux cépages qui sont produits en Gaule. Et vous verrez sur la cartographie qui est représentée à droite que la totalité de ces cépages sont présents sur l'arc méditerranéen. Ils remontent un petit peu dans la vallée du Rhône. On se trouve uniquement dans la Narbonnaise, la partie qui est romanisée depuis 120 avant Jésus-Christ. Par contre, dans les trois Gaules, la Belgique, la Lyonnaise et l'Aquitaine qui nous intéressent, avec le zoom rond qui représente le territoire des Cadurques, là, c'est terra incognita, on n'a aucune mention de vin. Ce qui est faux, vous allez le voir tout à l'heure. Sur la photo, sur l'illustration de gauche, vous voyez la position de nouveau de Cahors. Donc, j'ai schématisé très, très largement. Vous voyez, on se trouve à mi-chemin des Pyrénées, de la Méditerranée, de l'océan. Donc une région qui correspond à la Gaule chevelue du temps des Gaulois, qui fait partie de la première Aquitaine quand Auguste crée le morcelage de la Gaule. Et à l'époque gauloise, l'amphore ovinaire particulièrement, est un fossile directeur extrêmement important pour les archéologues. Sur tous les sites de hauteur qu'on appelle des oppidas, on retrouve des dizaines de milliers, des centaines de milliers de tessons d'amphore. Cet amphore qui contenait du vin produit sur la côte tyrrhénienne d'Italie a été très, très abondamment diffusé en Gaule. Certains auteurs antiques nous disent même qu'une amphore valait à peu près le prix d'un esclave. Ça vous montre le prix que l'on a porté à cette production. Ça ne préjuge en rien que le vin n'était pas présent à l'époque gauloise. Le problème, c'est que nous raisonnons sur les preuves concrètes que l'on retrouve sur le terrain, les tessons d'amphore. On le verra tout à l'heure avec le tonneau en bois, avec les outres en cuir. Malheureusement, ça ne laisse pas ou peu de traces. Donc malheureusement, il y a certainement des tas de choses qui nous échappent. En prospection aérienne ou en fouille, on a eu la chance de retrouver à de nombreuses reprises de très grands domaines qui comportaient des plantations extrêmement importantes et organisées.
On voit par exemple des plantations en fosse avec 6000 pieds du côté de Bourges, 5400 pieds dans le Val d'Oise, encore ici à Gevrey-Chambertin sur la photo que vous voyez. Et sur l'illustration que vous voyez à droite, c'est une reconstitution d'une vigne sur pergola qui permettait de prendre le soleil. C'est une technique qui est encore utilisée dans certaines régions du monde, qui diffère de l'utilisation qu'on a fait aujourd'hui. Et là, vous voyez, on se trouve les trois exemples que je vous ai cités avec 4500, 6000 pieds. On se trouve en Gaule centrale, dans le Val d'Oise, au nord de Paris même, ou à Gevrey-Chambertin, dans des régions qui pourtant ne sont pas documentées par les auteurs atlantiques. Si on se contentait de la stricte traduction des auteurs atlantiques, on s'arrête à l'arc méditerranéen. Nous avons également pu fouiller à certains moments des villas. Celle-ci est extrêmement importante. Il s'agit d'une demeure privée qui a été transformée au IIe siècle en chais. Et on voit, vous voyez le réseau des murs, tout ça est très, très impressionnant. Et on voit dans la partie centrale l'emplacement du chais qui contenait les fameux dolias. Les dolias, ce sont des très, très gros contenants en terre cuite qui sont des sortes de cuves, en fait, hein, qui étaient installées à demeure dans le lieu de production et dans lesquelles on venait décharger et vider les amphores. Donc là, c'est un domaine qui est extrêmement important, qui se trouve... j'ai perdu le lieu, mais il est écrit en tout petit, donc j'ai un peu oublié. Sur la photo suivante, vous voyez une photo d'une fouille en cours qui a été réalisée par mes collègues de l'INRAP dans la vallée de la Loire. Et vous voyez à quoi ressemble un site archéologique qui va nous permettre de déterminer qu'il s'agit d'un lieu de production viticole. Il comporte des négatifs, notamment des fosses, des fossés. Et l'archéologie expérimentale nous permet de reconstituer, dans le cas présent, un pressoir. Là, nous trouvons à Pierriac, en Loire-Atlantique. Et le bois, malheureusement, a disparu, bien évidemment. Donc, il ne reste plus que ces empreintes en négatif pour restituer, proposer à l'institution de cette organisation. Dans ces pressoirs, on va retrouver de très grands nombres. On va le voir sur l'illustration suivante. Là, nous avons le résultat d'un travail qui a été coordonné par Catherine Balmel, auquel j'ai participé. Et nous avons travaillé sur... la recherche des indices de viticole surtout le sud-ouest de la France. Donc c'est les actuelles régions de Midi-Pyrénées, de l'Aquitaine et des Pays de Loire. Nous avons tous ensemble fait l'enquête des différents sites localisés soit par photo aérienne, qui sont les plus nombreux, soit par des fouilles de sauvetage liées aux grands travaux. Et dans le cas présent, vous voyez le petit rond à droite qui représente la partie du Quercy. Nous avons des indices de pépins de raisin. Nous avons également d'autres vestiges structurés. Et vous voyez que c'est vraiment dans la région aquitaine, au nord de Bordeaux, que l'on a les vestiges les plus éloquents. Il semble effectivement que ce soit une région qui était, dès le premier siècle de notre ère, extrêmement dynamique quant à la viticulture. Et vous voyez, je me répète, mais pourtant, malheureusement, les auteurs latins n'en font aucune mention. Sur cette photographie, on va essayer de distinguer la vigne sauvage de la vigne cultivée. Alors, c'est très difficile. Tous ces éléments, ils sont connus par les indices polliniques. Et ces indices nous permettent de déterminer que la culture de la vigne, donc, est attestée dès le VIe siècle avant notre ère à Marseille, puis au 1er et 2e siècle, concentré sur l'arc méditerranéen, mais également dans le Jura, l'embouchure de la Loire, à Paris, Clermont-Ferrand et Bordeaux notamment. Sur la photo du bas, vous voyez un cep de vigne minéralisé qui a été découvert par mes collègues à Bordeaux, qui signale un site du 1er siècle de notre ère, et à droite, des pépins de raisins qui sont parvenus jusqu'à nous, tout simplement parce qu'ils sont carbonisés, donc ça a permis leur conservation pendant 2000 ans jusqu'à nous. Dans le cas contraire, évidemment, tout ça aurait totalement disparu. Vous voyez que les vestiges sont parfois très fugaces. On revient à notre enquête sur l'Aquitaine, le vin dans l'Aquitaine gallo-romaine. Et là, nous avons recensé d'autres indices
Mais je crois que cette photo, on l'a déjà vue tout à l'heure. Non, je suis revenu, excusez-moi, voilà, ça va mieux. Donc toujours sur notre enquête sur le vin et la vigne dans l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de Loire, nous avons également recherché les serpes et les serpettes, qui sont des outils polyvalents qui servent à la fois au travail de l'arboriculture, mais également à l'entretien de la vigne. On en voit deux exemples ici qui sont munis de talons. Et nous avons dans le Quercy antique la chance de connaître quatre lieux différents qui ont fourni de ces serpettes. Tout en haut, il s'agit de Padirac. Nous avons également des serpettes découvertes à Figeac et à Durbans sur le cos central de Gramma. Nous en connaissons également à Pernes. Là, on se rapproche un petit peu du lieu de production actuel. Et on en connaît également du côté de Montance. Là, on est aujourd'hui dans le Tarn, mais à l'époque romaine, on se trouve dans le Quercy des Cadurques. Donc vous voyez des indices qui sont signifiants et qui sont trouvés dans des lieux qui correspondent à la fois au cos central, dont le cos de Gramma, qui est un pays un petit peu aride, sec, et pas forcément, dont on n'a pas l'impression de nos jours qu'il soit très adapté à la culture de la vigne, mais on retrouve également en vallée. C'est le cas de Montans, c'est le cas de Figeac et de Pernes, enfin, à côté. Nous avons d'autres indices qu'on qualifie d'iconographie. Vous voyez sur la droite des cuves de sarcophages qui ont servi à Toulouse, qui représentent des cèpes de vignes qui prennent naissance dans des cantars, avec des cèpes de vignes qui comportent des raisins, des oiseaux qui viennent butiner les raisins. Et sur la gauche, un élément qui nous intéresse au plus haut point, parce qu'il s'agit d'une selle découverte à Duravel. Ça veut dire quelque chose à M. Poussou, je pense, qui était conservé dans l'église jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui est aujourd'hui présenté dans un petit musée de site qui a été joliment arrangé. Et donc j'avais réalisé un sondage qui a permis de découvrir, de se rendre compte que cette stèle comporte un cantar à sa base, dans lequel prend naissance un pied de vigne qui est superbement représenté, avec de belles grappes de raisin et des oiseaux qui picorent ces grains de raisin. Donc là, on a toute une série d'éléments iconographiques, on va les voir en suivant, qui attestent qui font la part belle à la vigne, aux vendanges, aux raisins dans la Gaule romaine, notamment dans le Quercy. Le souci, c'est qu'il est difficile de le traduire, d'en déduire qu'il s'agit que le Quercy fait partie d'un lieu de production avéré. Ces représentations sont très abondantes à l'époque gallo-romaine parce que la vigne est un symbole d'éternité, de renaissance, et on va le retrouver pour cette raison représenté très souvent sur des sarcophages. Donc on peut très bien avoir retrouvé des éléments décoratifs aussi beaux que celui-là dans des régions qui ne sont pas nécessairement liées à la culture de la vigne. Et on aurait envie de le croire. D'autres décors de la région de Toulouse, toujours sur les sarcophages, qui montrent des amours vendangeurs qui sont représentés soit cueillant du raisin, soit le foulant au pied, dans des bassines où on voit le jus de raisin qui s'écoule. Un autre linteau de sarcophage qui est représenté sur le bas de l'illustration. Vous voyez que c'est en restant au Acaor et jusqu'à Toulouse, on va retrouver de très nombreuses séquences représentatives de cette culture de la vigne. Un élément qui est tout à fait passionnant pour Cahors, c'est le sarcophage des vendanges. C'est un sarcophage, vous le voyez sur la gauche, qui est mentionné présent à la cathédrale jusqu'à la Révolution. Il a heureusement fait, à ce moment-là, peu avant la Révolution, l'objet d'un dessin par Paul de Fontenille, qui est un croquis, mais on est très heureux d'avoir ce relevé, parce qu'il représente le monument dans sa globalité. On se rend compte qu'il s'agit d'un sarcophage de l'école d'Aquitaine, que l'on date du 2e, du 3e siècle de notre ère. Il est réalisé en marbre gris des Pyrénées. Il est complet à l'époque. Il comporte même son couvercle, vous le voyez dans la partie supérieure, avec deux amours ailés qui encadrent un cadre qui est destiné à être gravé au nom des défunts. Et sur les bas-côtés, qui sont représentés en dessous, vous voyez des scènes des premiers temps chrétiens qui représentent le bon pasteur d'un côté, Adam et Ève de l'autre côté. Donc vous voyez, on est vraiment à la transition, on est sur des symboles qui sont purement antiques, mais on voit l'apparition des premiers chrétiens qui imposent leur art.
Malheureusement, au moment de la Révolution, le sarcophage a été cassé en petits morceaux. Ces éléments avaient disparu pendant quasiment 200 ans, jusqu'à ce qu'un maçon, en faisant des travaux de restauration dans une maison, tout près de la cathédrale, démonte le dallage. Et en fait, le dallage était constitué des fragments du sarcophage retournés. Évidemment, c'était beaucoup plus lisse, c'était beaucoup plus pratique pour circuler. Et ces éléments de sarcophage sont aujourd'hui présentés dans un mur d'une propriété au-dessus de Cahors. Et ceux qui ont pu être retrouvés sont représentés, sont dessinés en jaune, vous les voyez ici. Donc on va distinguer de haut en bas, de gauche à droite, un amour qui escalade une échelle. Sous cette échelle, on voit un panier à osier tressé. Sur l'illustration de droite, notre amour qui remplit un panier à osier tressé de raisins. L'illustration du bas, c'est un amour qui est attelé à un chariot qui transporte des barriques de raisins. Et puis sur la scène centrale, c'est la représentation la plus marquante. On distingue au-dessous d'une représentation allégorique trois amours qui se tiennent par la main qui foulent de leurs pieds le raisin. Le raisin, le jus va s'écouler dans les contenants au-dessous, et encore une scène mythologique avec le combat d'Abel et Caïn au-dessous. Donc, c'est un monument qui est extrêmement précieux, qui évidemment aurait toute sa place au musée de Cahors, ce serait bien préférable. Donc voilà, je viens d'en parler, j'essaie de convaincre nos amis représentants du vin de Cahors, et on se disait qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Donc l'affaire ne va pas rester là, on va essayer de rapatrier ce monument là où il devrait être. Très rapidement, d'autres représentations qui malheureusement ne sont pas de Cahors, pour vous montrer que la vigne, le vin sont des thématiques extrêmement fréquentes à l'époque romaine, qu'il s'agisse d'enduits peints sur les peintures murales, de vaisselle dans des contextes funéraires, également à droite sur une mosaïque. Cette mosaïque est intéressante parce qu'elle montre le poissage d'une amphore de façon destinée à la rendre étanche. Donc on voit un esclave qui entretient la poix sur un feu, un autre sur la gauche qui va la répartir à l'intérieur du vase. Donc tout ça devait donner un goût assez particulier au vin, évidemment. Donc là, je voulais vous parler rapidement des amphores. Dans le tamis, je ne sais pas trop où j'en suis. Je suis à un cantonite. Oh là, il va falloir faire vite alors. Voilà, donc ces amphores, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des fossiles directeurs qui sont pour les archéologues extrêmement intéressants. On voit que tout à fait en haut à gauche, on voit l'origine des premières amphores transportées en Gaule qui viennent de la côte tyrrhénienne d'Italie. On voit que ces amphores sont transportées par voie côtière, par cabotage le long de la rive méditerranéenne, remontent ensuite par les fleuves. Pour Cahors, remonte en partie par voie terrestre, puis par la Garonne, par le Lot. On voit sur la droite qu'il y a un réseau de routes qui est extrêmement important en Gaule, mais enfin, en tout cas, ce transport par voie terrestre était extrêmement onéreux, et on comprend mieux la nécessité de produire localement du vin de Cahors, du vin. Ces amphores, on en voit quelques exemples qui sont représentés ici, donc avec différentes origines. De gauche, ce sont des Dresselins qui sont produites en Italie. Et on voit tout à fait sur la droite des Gauloises qui sont produites essentiellement dans le sud-est de la Gaule, qui ont une forme beaucoup plus ventrue, vous le voyez. Leur poids vide varie de 25 à 30 kg pour une contenance de 26 à 70 litres. Et il s'agit à chaque fois de marqueurs de lieux de production. Nous avons retrouvé plusieurs témoignages du vin de la vigne sur la fouille de l'amphithéâtre de Cahors, qui a permis de découvrir le grand monument public entre 2003 et 2005. Ces témoignages correspondent à des pépins et des pédicelles de raisin qui sont retrouvés régulièrement dans les contextes du 1er au 4e siècle. Donc là aussi, pépins et pédicelles de raisin, ça peut indiquer le raisin, le fruit, ça peut aussi être significatif d'une culture de vin. On en retrouve de nouveau au Xe siècle dans un contexte carolingien. Il s'agit toujours de pépins de raisin minéralisés.
Cette fouille a livré des milliers de tessons d'amphores et très rapidement, on peut voir que jusqu'à les années 80, ce sont les amphores vinaires originaires d'Italie qui sont prépondérantes. Les amphores gauloises apparaissent à peine à la fin du 1er siècle. Par contre, dans le 2e siècle, elles vont devenir largement majoritaires. Ça prouve bien, effectivement, qu'il y a une culture de la vigne, du vin, qui se met en place de façon très importante, très marquée, à Cahors et dans la région proche, et qui va concurrencer, on le voit là, les productions venant d'Italie. Là, c'est les sites de production d'amphores qui sont également très fortement représentés dans l'arc méditerranéen. Et puis le Dolium, c'est ce grand, très très grand vase qui peut contenir de 750 à 1200 litres de vin, qui représente environ 40 amphores, et que l'on retrouve par exemple au musée des docks de Marseille, et qui est un marqueur très important d'un lieu de production et de stockage. La dernière illustration, elle est très intéressante parce qu'elle nous montre le transport de barriques de vin sur une barque avec deux personnages sur l'illustration qui sont des haleurs, qui sont reliés à la barque par une corde et qui permettaient de remonter le cours de l'eau. Alors, cette représentation est importante parce qu'elle met en perspective des barriques, donc des fûts de bois qui sont transportés sur le bateau, mais également sur l'étagère de la registre supérieure, des amphores qui sont représentées brutes ou sur la gauche, cerclées avec de l'osier, de façon à limiter des risques de choc. Et là, on voit clairement l'apparition de la barrique qui est connue à l'époque gauloise. On a plusieurs mentions à ce sujet. C'est très certainement un élément qui est venu remplacer en grande partie l'amphore. Malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du bois et ça a le défaut de très mal se conserver, à tel point qu'on n'en connaît que 200 pour toute la Gaule, alors que des amphores, on en connaît des millions. Donc, en guise de conclusion, on voit que ces données-là proviennent de l'archéologie préventive qui a permis d'avancer, de faire avancer l'état des connaissances ces dernières décennies. On voit que la vigne n'était pas du tout inconnue des Gaulois. Pour Cahors, ça reste. Il faut encore travailler là-dessus. Et on voit que l'arrivée des colons italiens qui ont accompagné l'armée romaine a généralisé la diffusion très rapide dans toutes les provinces et a accru très fortement la production. Donc les axes de recherche sont extrêmement nombreux. Outre l'archéologie, il y a toute une série de disciplines annexes qui permet notamment d'étudier l'archéobotanique, les analyses chimiques des contenants. Et il y a également un travail important réalisé en Quercy comme ailleurs sur la prospection aérienne qui permet d'identifier des sites de façon très précise. Et voilà, donc il y a encore un gros travail archéologique à faire, mais on n'en est qu'au début. Je vous remercie de votre attention. C'est bon, on m'entend là ? Je sais combien il faut, sur la colline en flamme, de peine, de sueur et de soleil cuisant, pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme. C'est par cet extrait de L'âme du vin de Charles Baudelaire que s'ouvrait mon mémoire de maîtrise en 1997, consacré au vignoble de Cahors de Louis XIV à Louis-Philippe, dirigé par Francis Brumont, professeur à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, et complété par un DEA l'année suivante. Une quinzaine d'années plus tard, ma route croisa celle de Patrice Foissac, de Pascal Griset et de Léonard Laborie, qui me proposèrent de participer à une réflexion sur l'histoire du vignoble. J'ai ainsi rédigé un chapitre pour l'ouvrage collectif « Vin de Cahors et du Quercy ». Dans la foulée, j'ai repris mes recherches. J'ai soutenu ma thèse en février 2020 à l'Université Bordeaux-Montaigne sous la direction de Michel Figeac. Elle a été récompensée par le prix Louis Desgraves de l'Académie nationale des sciences et belles-lettres et art de Bordeaux, et elle a été publiée en version abrégée à la Maison des sciences et de l'homme d'Aquitaine. Alors, ayant repris mes recherches en 2015, j'ai constaté que les études historiques sur le vignoble de Cahors et le vin en Quercy n'avaient guère progressé depuis le siècle dernier. Le champ de recherche restait intact, comme le notait Jean-Pierre Poussou en 2010. Mon travail
repose essentiellement sur le dépouillement des compois et cadastres modernes, issus des archives communales déposées aux archives départementales du Lot. Ces registres sur lesquels reposait le système de prélèvement de l'impôt direct, la taille, estimée en fonction de la richesse foncière de chaque déclarant, constitue une particularité du Midi de la France, au sud d'une ligne approximative Bordeaux-Lyon, car la moitié nord du royaume, soumise à la taille personnelle, en est dépourvue. Les compois offrent, après une longue phase de traitement des données, un tableau de la répartition de la propriété foncière. Il est possible de connaître l'utilisation du sol à l'échelle des exploitations, à celle du finage, de chaque village ou ville, et d'en évaluer l'orientation viticole. J'ai retenu 23 cadastres pour la période moderne, dont plus d'une quinzaine pour la deuxième moitié du XVIIe siècle, pour l'espace considéré. L'éventail du choix était bien plus restreint pour le XVIIIe siècle, en raison du manque de sources. Les compois de Cahors et de nombreuses communes situées à l'intérieur comme à l'extérieur du vignoble actuel ont fait l'objet de dépouillements. Ce dernier a nécessité la saisie de près de 30 000 parcelles afin d'effectuer leur conversion en hectares et leur tri en fonction des informations attendues. Les actes notariés enrichissent l'étude car ils permettent un approfondissement des aspects socio-économiques mais aussi techniques de la production viticole. J'ai réalisé plusieurs sondages chez les notaires cadurciens et ruraux, en particulier donc à Cahors, Albas, Castelfranc, Luzèche, Parnac et Puy-l'Évêque essentiellement. J'ai eu recours à d'autres sources conservées aux archives départementales du Lot et à la bibliothèque du Grand Cahors. Enfin, j'ai puisé dans le fonds des négociants de la sous-série 7B aux archives départementales de la Gironde, en particulier dans la maison Beaujon et Petit qui s'approvisionnait en vin du Haut-Pays, et dans les registres d'entrée de l'hôtel de ville de Bordeaux conservés aux archives de Bordeaux Métropole. Pour l'étude de la première moitié du XIXe siècle, j'ai utilisé essentiellement les états de section du cadastre napoléonien, en tout 23 cadastres, pour apprécier l'expansion du vignoble et les enquêtes agricoles de la série M, et des sources imprimées enrichissent cet ensemble. Je me suis appuyée sur un constat de Marcel Lachiver, selon lequel le siècle de Louis XIV est celui de la mise en place d'une viticulture moderne dans de nombreuses régions françaises. Cela s'est traduit par l'émergence d'une production de qualité, liée à une diversification de la demande. En revanche, les années 1850 marquent la fin du vignoble traditionnel, les maladies cryptogamiques, le chemin de fer, les modes de consommation nouveaux, enfin le phylloxéra, bouleversent en profondeur le fonctionnement des régions viticoles. J'ai souhaité consacrer mes recherches à cette période qui est celle de la mise en place du vignoble moderne. L'enjeu était de comprendre comment la région de Cahors est devenue un territoire marqué par la culture de la vigne, et d'appréhender son fonctionnement à travers les hommes qui y vivaient, le transformèrent et valorisèrent ses ressources. Les résultats de ces années de recherche ont révélé les spécificités de ce territoire, dont je vais dresser quelques grandes lignes. Le milieu du XVIIe siècle apparaît comme celui de l'expansion de la culture de la vigne dans la région. L'aire de production des vins de Cahors s'est étendue au-delà de la ville, couvrant l'essentiel de la sénéchaussée au XVIIIe siècle. Une trentaine de communautés contribuent à l'essor du vignoble commercial. Le territoire viticole est organisé autour d'un centre historique majeur, Cahors, et un axe structurant le Lot, dont le débouché naturel et économique est le port de Bordeaux. Le territoire de production des vins de Cahors est bien plus vaste que l'aire d'appellation d'origine contrôlée définie en 1971, c'est ce que vous pouvez voir sur la carte à l'aide de la légende. La croissance démographique enclenchée au XVIIe siècle favorise les défrichements et la mise en culture de nouvelles terres, intensifiant la pression sur la terre. Cette tension sur les ressources et sur l'espace se retrouve dans la structure de la propriété foncière. Les cadastres de Cahors établis dans les années 1650, soit au milieu du XVIIe siècle, révèlent une extrême parcellisation de la propriété. Le territoire imposable de la ville, couvre une superficie de près de 6000 hectares. Il comprend une population hétérogène, habitant dans la ville-centre, dans les faubourgs et dans les paroisses rurales. Les trois quarts des tenanciers, c'est-à-dire des propriétaires, disposent de biens dont la superficie est inférieure à 2 hectares. Ces petits tenanciers possèdent d'étroits lopins de terre et dépendent étroitement du marché pour l'achat de céréales qu'ils ne peuvent cultiver. L'analyse de la répartition sociale des structures foncières fait émerger un modèle original avec une très faible représentation de la noblesse, moins de 10%, et du clergé, moins de 8%, le tiers-État s'octroyant plus de 80% des biens.
Dans les villages, la propriété paysanne, très morcelée et prépondérante, les tenanciers de moins hectares sont majoritaires. La grande propriété est peu significative, à l'exception des communautés proches de la ville, dans lesquelles l'emprise urbaine est un des traits les plus marquants, comme en Bordelais et dans d'autres régions viticoles. La mise en valeur du terroir montre l'attachement des populations à la polyculture au XVIIe siècle. À Cahors, les terres arables correspondent à 41% de la superficie utile. Toutefois, la part de la vigne est considérable pour la période, 36% du terroir et en cépagé. Le vignoble s'étend sur plus de 2000 hectares, c'est-à-dire le vignoble de la ville de Cahors uniquement. L'omniprésence de la vigne est moindre dans les villages au XVIIe siècle, mais elle est plus significative au XVIIIe siècle. L'étude socio-professionnelle des cultures montre que la vigne reste une culture secondaire pour toutes les catégories, à l'exception des petits tenanciers tels que les vignerons et les artisans à Cahors au XVIIe siècle. En revanche, à la veille de la Révolution, toutes les catégories sociales s'orientent massivement vers la production de vin. L'intérêt croissant pour la vigne au XVIIIe siècle s'inscrit dans un mouvement en général touchant tous les vignobles. La mise en perspective du vignoble de Cahors au XVIIe siècle, avec d'autres régions méridionales, montre l'implantation précoce de la vigne en Quercy. La géographie du vignoble se précise avec l'extension de l'encépagement. Cahors et les villages de la vallée s'affirment comme des centres de production majeurs du vin, bénéficiant de la proximité des marchés, locaux avec la ville et lointains avec l'axe navigable du Lot. Les difficultés de la navigation défavorisent en revanche longtemps les espaces situés en amont de Cahors. L'essor du vignoble est important des années 1650 aux années 1850. Les superficies complantées augmentent dans toutes les localités. Les centres historiques du vignoble se renforcent, de nouveaux pôles viticoles émergent au XIXe siècle, la spécialisation des espaces s'affirme. À l'échelle du terroir, on note la forte implantation des parcelles de vignes sur les collines surplombant Cahors dès le milieu du XIXe siècle. L'omniprésence de cette culture confère une identité singulière à la cité et aux campagnes. Les nouvelles plantations dans les plaines, commencées avant la Révolution, se multiplient au tournant du XIXe siècle dans les terroirs traditionnellement dévolus aux céréales. L'exemple le plus significatif est celui de Parnac. On passe de 18 hectares de vignes au milieu du XVIIe siècle à 268 hectares au début du XIXe siècle, à l'époque du cadastre napoléonien 1811. Une véritable économie viticole anime déjà Cahors au XVIIe siècle. Le vignoble urbain d'une étendue de plus de 2000 hectares présente une structure duale, avec une extrême parcellisation des exploitations. Plus des trois quarts n'excèdent pas 2 hectares, donc on a de tout petits vignobles, et la coexistence de quelques grands vignobles détenus par les notables. L'existence de ces grands vignobles favorise l'embauche de modestes tenanciers et de journaliers, faisant vivre ainsi une part non négligeable du peuple urbain. Cette structure caractérise de nombreux pays viticoles à l'époque moderne. Dans les villages au XVIIe siècle, il y a très peu de grands vignobles. Les exploitations viticoles sont extrêmement morcelées. À la fin du XVIIIe siècle, l'expansion des superficies en cépagés se traduit par l'essor des grandes propriétés dans les campagnes et par un intérêt croissant pour la culture de la vigne dans toutes les catégories sociales. Cet investissement massif dans la production viticole se retrouve à travers l'attention apportée aux vignes. Les actes notariés constituent une mine de renseignements sur les travaux effectués par les vignerons. Le cycle des travaux est scrupuleusement suivi. La première étape consiste à préparer le sol. La parcelle à complanter est défrichée, déboisée et épierrée. Cette préparation est très longue. Elle nécessite souvent 3 années. La lutte contre l'érosion et la protection des vignes par des murs de pierre figure parmi les préoccupations constantes. La plantation de cèpes implique une sélection de cépages qui s'affine au cours de la période. Dès le milieu du XVIIIe siècle, l'auxerrois, appelé plus tard Malbec, est privilégié car il permet d'obtenir le vin rouge si prisé à Bordeaux. Le calendrier annuel des travaux viticoles est respecté et les grands propriétaires n'hésitent pas à faire contrôler les tâches réalisées par les vignerons par des experts. Les baux révèlent cette implication croissante des propriétaires nobles, bourgeois et religieux dans l'investissement viticole.
La recherche de la qualité du vin guide ses choix. La plupart des vignes sont taillées en gobelets et ne reposent que rarement sur des échalas, sauf dans les exploitations les plus grandes, car le bois est coûteux. Les vendanges sont le moment le plus attendu, elles sont préparées avec précaution. Tous ces travaux impliquent, selon les saisons, une présence accrue dans les vignes et une maîtrise d'un savoir-faire spécifique pour les tâches les plus élaborées. Ils reposent sur l'énergie humaine et la force physique, car les vignes sont conduites essentiellement à bras. L'usage de trains de labour n'est possible que sur des surfaces planes. Le niveau de fortune des vignerons ne leur permet pas de disposer d'animaux de trait. Seuls les paysans aisés et les grands propriétaires peuvent employer ces dispositifs. Une évolution des pratiques culturales est perceptible au XIXe siècle. L'essor du vignoble de plaine s'accompagne de labours plus profonds, d'un alignement et d'un espacement adapté au passage de la charrue et de la généralisation des échalas. Concernant la société, l'activité viticole transforme la société et l'espace vécu. Une identité vigneronne émerge alors dès le milieu du XVIIe siècle. Les vignerons s'affirment comme une catégorie socio-professionnelle spécifique. On compte 182 vignerons à Cahors au milieu du XVIIe siècle et ils représentent 26% des métiers pratiqués. L'émergence du terme vigneron est concomitant d'un intérêt accru pour la vigne et d'une reconnaissance d'un savoir-faire indispensable à la recherche d'une production de qualité, en même temps que les techniques s'affinent doucement, les hommes se perfectionnent dans la maîtrise de leur métier. Simples ouvriers au début de la période, appartenant aux couches les plus modestes des propriétaires urbains, le terme vigneron désigne des paysans à l'assise foncière, plus assurés, notamment dans les campagnes au XVIIIe siècle. L'implication de toutes les catégories sociales dans la culture de la vigne marque inévitablement l'espace. L'habitat et les bâtiments d'exploitation s'adaptent aux activités viticoles. Il faut vinifier et conserver le vin, mais aussi stocker de grandes quantités de fûts destinés aux expéditions vers Bordeaux. L'architecture vigneronne quercinoise présente des spécificités. La maison à superposition, alliant étages d'habitation et rez-de-chaussée fonctionnel est le modèle dominant. Elle est construite en pierre du pays et elle se décline en plusieurs variantes. L'enrichissement des négociants en vin engendre la construction de demeures bourgeoises qui sont inspirées du modèle vigneron, de la maison bloc à étages, ainsi que l'édification de chais voûtés, notamment dans la vallée du Lot. Alors, je vous ai mis deux photographies de maisons construites au milieu du XIXe siècle. Ce sont des maisons typiques du vigneron. En revanche, les châteaux subissent peu de transformations liées aux activités viticoles. Ils conservent longtemps leur aspect castral. Les grands propriétaires ne cherchent pas à imiter le style des chartreuses en vogue dans le Bordelais à la même époque. Ils sont pourtant des centres de production majeurs du vin. Le paysage est modelé par le travail des hommes. L'épierrement des sols donne naissance à des réseaux de murettes longeant la pente des collines. L'organisation du parcellaire suit une logique bien particulière. La production du vin a pour vocation essentiellement de répondre à l'appel du marché bordelais. Les vins noirs ou vins rogomés, utilisés comme coupage au vin de Bordeaux, et les vins rouges de Cahors, obtenus à partir du cépage auxerrois, alimentent le commerce international. Les vins blancs, les rosés et le demi-vin permettent de satisfaire une demande plus locale. La vinification résulte de pratiques traditionnelles, à l'exception de l'élaboration des vins noirs. Le vignoble de Cahors se distingue de nombreuses régions viticoles par la faiblesse des rendements. Ce retard est persistant jusqu'aux années 1850, malgré l'implantation de vignes dans les terres les plus productives des plaines, le morcellement des propriétés limitant l'investissement. Les meilleurs rendements plafonnent à 8 hectolitres par hectare au XVIIIe siècle et atteignent difficilement plus de 10 hectolitres l'hectare au milieu du XIXe siècle. L'écart de production entre les vignobles des grands exploitants quercinois et les châteaux viticoles du Bordelais est considérable. Ces derniers obtiennent des résultats 100 fois supérieurs à ceux du Cahors au XVIIIe siècle. L'essor de la vigne comme culture spéculative s'explique par la croissance des échanges maritimes du port de Bordeaux. Devenu le premier centre exportateur français des produits viticoles vers l'Europe du Nord et les Antilles au cours du XVIIIe siècle, le dynamisme bordelais touche toutes les régions irriguées par la Garonne et ses affluents. Les vignobles du Haut-Pays sont stimulés et paradoxalement freinés par les intermédiaires bordelais en raison des privilèges de la ville. Les Quercinois les plus influents
s'organisent afin de s'affranchir des contraintes imposées. Et les âpres décennies de lutte aboutissent en 1776 à la levée théorique des privilèges. Cependant, les Bordelais obtiennent du roi des lettres patentes qui font perdurer le déséquilibre en leur faveur encore longtemps. Malgré les nombreuses entraves, les expéditions de vin vers Bordeaux s'intensifient au cours du XVIIIe siècle dans un contexte des échanges en croissance constante vers les Antilles. Ce commerce s'organise autour d'acteurs nombreux, de réseaux commerciaux structurés, dans lesquels les relations de confiance sont essentielles. Des hommes natifs de la vallée du Lot s'impliquent dans le négoce du vin. Ils en assurent la collecte auprès de vignerons, répondant à la demande des commissionnaires bordelais, qui expédient des vins d'une excellente qualité et d'une belle couleur. Le vin doit être bien noir, avec beaucoup de corps. Certains négociants sont reconnus pour leur capacité à fournir les meilleurs vins. Une bonne connaissance du terrain est indispensable afin d'obtenir le breuvage recherché. Les petits producteurs sont susceptibles de fournir du vin pour l'exportation. En revanche, ils doivent s'accommoder du prix imposé. La qualité et la renommée du fournisseur sont des critères pesant sur les prix. Le Grand Constant, provenant de la famille du même nom, atteint les tarifs plus élevés. Sur ce graphique, j'ai indiqué les principaux expéditeurs de la maison Beaujon et Petit pour la période 1750-1763. Et on voit donc les noms de ces commissionnaires de la vallée du Lot, Constant, Bataille, Salive, etc. La production des vignes surplombant la cité gadurcienne passe par des étapes successives et travers des espaces variés afin d'atteindre le verre du consommateur à l'autre bout de l'Europe et du monde. Les vins de Cahors empruntent des routes maritimes vers les Provinces-Unies, les ports baltiques, la Suède, le Danemark et la Russie. Amsterdam et Hambourg apparaissent comme des places centrales en raison de nombreux correspondants des maisons de commerce présents dans ces villes portuaires. Le marché français est plus vaste et ouvert sur le monde. Car il englobe non seulement les colonies d'Amérique avec les Antilles, mais la Bretagne et les pays du nord du royaume, les régions du nord du royaume. Les nombreuses mentions de vins expédiés aux îles, la présence de quercinois et l'existence de circuits commerciaux font des Antilles françaises une destination privilégiée. Les ports bretons constituent des interfaces non seulement avec leur arrière-pays, mais également avec l'océan Indien et avec les comptoirs africains, en raison du rôle exercé par la Compagnie des Indes. Le vin de Cahors se vend à Arras, à Dunkerque et à Paris. Il est commercialisé dans de nombreuses régions du monde au XVIIIe siècle, ce qui en fait un produit très vulnérable à la conjoncture internationale au tournant du siècle, notamment lors de la période révolutionnaire et des guerres napoléoniennes. L'analyse fluviale de 1850 montre cependant que les expéditions de vin vers Bordeaux restent économiquement prépondérantes. Le vin de Cahors conserve ainsi sa vocation commerciale mise en place au siècle précédent. Il est d'ailleurs avantagé par l'odium qui touche de nombreuses régions viticoles en 1854. Le territoire connaît alors un âge d'or, coïncidant avec la prospérité du Second Empire, avant que ne l'atteigne le phylloxéra en 1876, qui met fin en quelques années à ce beau vignoble séculaire. Ainsi, l'étude du vignoble et du vin de Cahors de 1650 aux années 1850 révèle comment le territoire s'est orienté vers la spécialisation viticole. La région de Cahors est devenue un territoire marqué par la culture de la vigne au cours d'une construction lente et progressive dans laquelle les Quercinois furent des acteurs majeurs. En cherchant à satisfaire une demande extérieure croissante au XVIIIe siècle, ils privilégièrent le cépage auxerrois, assurant l'élaboration d'un vin rouge spécifique connu sous le nom de vin de Cahors. Et je vous remercie. J'essaie de faire vite. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous l'avez compris, ce sont les vignerons et les négociants de Cahors qui ont souhaité vraiment mieux connaître leur histoire et qui se sont tournés vers Pascal Griset et moi-même en 2014 pour engager des travaux sur source et les plus complets possibles. L'une de leurs questions fondamentales portait sur le cépage. Le cépage qui fait l'originalité de ce vignoble depuis longtemps.
La question qu'il nous posait, en réalité, elle était triple. C'était d'abord celle des origines. D'où vient ce cépage et depuis quand est-il cultivé chez nous ? C'était celui ou celle plutôt de la dénomination. Comment se fait-il qu'à Cahors, ce cépage soit appelé auxerrois, alors qu'à Bordeaux, il est appelé Malbec et qu'ailleurs encore, on l'appelle Caux ou Côte, entre autres dénominations. Et enfin, il voulait savoir comment ce cépage s'était retrouvé non seulement aux quatre coins de la France, mais aussi en Argentine, en Californie et en Australie. Ces questions relatives donc aux origines, à la dénomination, à la diffusion, nous ont paru évidemment légitimes, mais qui plus est pertinentes historiographique, faire l'histoire d'une plante, d'une variété de vigne en l'occurrence, c'est bien faire l'histoire des sociétés qui les cultivent. Mais cette série de questions nous a aussi paru très difficile pour nous, spécialistes de l'histoire contemporaine, donc spécialistes des 19e et 20e siècles, sachant l'ancienneté de ce cépage, nous l'avons entendu avec Sophie, sachant la diversité des dénominations et l'ampleur de sa diffusion. Et heureusement, chemin faisant, depuis 2014, nous avons pu compter sur l'appui de collègues spécialiste d'histoire médiévale, Patrice Foissac, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a beaucoup œuvré à nos côtés, d'histoire moderne, Sophie, que nous venons d'entendre, d'archéologue devenu lexicographe, Henri Galinier, que nous avons rencontré et qui nous a beaucoup aidé, et d'autres spécialistes, par exemple, de la viticulture en Argentine, Pablo Lacoste, hein, qui travaille au Chili. La tâche était d'autant plus difficile que, même si en 2014 on avait déjà beaucoup de connaissances sur ce cépage, il y avait aussi et surtout beaucoup d'hypothèses en circulation, plus ou moins bien intentionnées. Les uns faisaient dire au grand empélographe français Pierre Gallet que le cépage, je l'ai mis à l'écran, était son nom d'origine était Caux et qu'il était probablement originaire du nord de la Bourgogne. Voilà ce que l'on trouve dans la fiche Wikipédia à Malbec. Gallet ne dit pas du tout cela dans son ouvrage. Donc, vous voyez, des hypothèses qui circulent et qui sont mal reproduites. D'autres affirmaient que le cépage venait de Hongrie. Ça, on le trouve partout. En 2013, il y a un livre qui est publié par un journaliste américain sur le vignoble d'Argentine et la renaissance du Malbec. Et on apprend que c'est un paysan hongrois qui a amené le Malbec, dénommé Malbec, qui a amené le Malbec, l'auxerrois, en France. Dans la presse argentine, il y a aussi cette idée que Malbec, ça veut dire mauvaise bouche. En France, en occitan, et donc ça rappellerait que les Français n'ont rien compris à l'intérêt de ce cépage, n'ont pas su en faire grand-chose pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils prennent toutes ces noblesses en Argentine. Donc là, je cite Catherine Bernard, ancienne journaliste, devenue vigneronne, qui essaie sur son site de faire du vrai-faux. Là, elle essaye de nous éclairer, de nous dire... Attention, faites attention, ne croyez pas les Argentins. Et en même temps, elle dit quelque chose de faux, puisqu'elle dit que c'est un négociant, un certain Malbec, qui aurait introduit le cépage à Cahors. Donc même dans les sites qui essayent de démêler le vrai du faux, on trouve du faux, vous allez voir. Bien, alors faisons aujourd'hui le point, après quelques années de recherche et avec toutes ces contributions variées dont nous avons pu bénéficier, sur ce que nous savons, sur ce que nous ne savons pas de l'histoire de ce cépage, en présence de certainement certains des plus grands vinificateurs de ce cépage, des meilleurs connaisseurs de la plante. Mais aujourd'hui, on va parler essentiellement de son histoire. Commençons par les origines. La biologie moléculaire, donc des progrès faits dans l'analyse par les gènes des plants de vigne, progrès considérables depuis les années 1990, nous permettent de dire aujourd'hui
que le cépage dénommé, je l'appellerai Malbec, a pour parent la Madeleine Noire des Charentes et le Prunelard. Alors, c'est l'équipe de Jean-Michel Boursicot qui a mis cela au jour en travaillant sur le Merlot, qui partage la même, un même ascendant. Hein, le Merlot a pour père la Madeleine Noire, si je ne me trompe pas sur les signes. Alors, le croisement entre ces deux cépages, Madeleine Noire et Prunelard, aurait-il eu lieu à Cahors ? Vaste question. On pourrait être séduit par l'hypothèse du carrefour géographique, hein, à mi-chemin entre les origines du Prunelard, donc plutôt le Tarn, et les Charentes. Sauf que la Madeleine Noire s'appelle des Charentes parce que on en a retrouvé un spécimen dans les Charentes, mais ça ne dit pas que le cépage soit lui-même originaire des Charentes. D'ailleurs, on en a retrouvé, paraît-il, trois spécimens récemment dans le Gers. Donc, la Madeleine n'est sans doute pas atlantique, comme on aurait pu le penser. Mais en tout cas, ça dessine quand même une origine du croisement probable dans le vaste sud-ouest. Madeleine, le nom est donné à ce cépage parce qu'il est précoce. C'est ce qui donne sa précocité au Malbec. Plutôt que le lieu du croisement, c'est sans doute le moment et les motivations de la sélection par les vignerons cadurciens qui est intéressante. On n'arrivera jamais à savoir où a eu lieu le croisement et s'il a eu lieu à Cahors. En revanche, on peut essayer de comprendre et de voir quand ce cépage s'est mis à constituer le fond des vignes de Cahors. Alors, les archives quercinoises pour la période médiévale sont malheureusement silencieuses. C'est Patrice Foissac qui nous l'apprend. Il n'y a pas, à propos des cépages, de mention de cépages en particulier. Donc, il faut compter probablement à l'avenir sur l'archéologie pour nous renseigner. Et mon voisin de gauche sera peut-être l'un de ceux qui nous en apprendra plus sur les origines du cépage à l'époque, pourquoi pas antique et plus probablement médiévale. Ce que nous savons avec certitude, c'est que dès le XVIe siècle, donc un siècle avant le début de l'étude de Sophie, le cépage est déjà identifié comme étant l'un des principaux à être cultivé dans la région de Cahors. Donc, au XVIe siècle, on est sûr que le cépage est présent, on est sûr qu'il est si présent qu'il définit déjà une forme d'identité de ce vignoble. Il n'est pas seul, il y a d'autres cépages cultivés, mais on a par exemple, et notamment chez Roaldès, donc François Roaldès, professeur juriste à l'Université de Cahors, qui dans les années 80, 1580 probablement, a écrit son discours de la vigne et fait mention de l'Auxerrois. En réalité, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, nous sommes certains que ce cépage était présent dans les années 1530 déjà. Voilà. Alors, les motivations maintenant. Pourquoi les vignerons ont-ils, à l'époque, les cultivateurs, ont-ils choisi ce cépage et l'ont-ils ainsi diffusé dans leurs vignobles ? Il y a deux hypothèses. La première, celle que l'on lit le plus souvent, c'est celle de l'adaptation au terroir. Voilà, un cépage qui est fait pour notre sol, notre climat. Certes, mais retenons et notons bien qu'il n'a jamais été le seul à être cultivé. Notons bien que il y avait d'autres cépages potentiellement concurrents. Hein, d'autres cépages auraient pu le supplanter. Donc, adaptation au terroir, d'accord, c'est sans doute une partie de la réponse, mais ça n'est pas toute la réponse. L'autre hypothèse, raison de cette sélection, c'est l'adaptation au marché. Le vin produit à partir de ce cépage répond à des demandes du marché, donc les consommateurs. Je voulais ici
vous faire un saut, proposer un saut dans le temps de 4 siècles pour venir au début du XXe siècle, au moment où l'on discute de l'inscription souhaitable ou pas de Cahors dans la région d'appellation Bordeaux. Donc on est dans les années 1908-1909. Il y a des débats pour délimiter l'aire de production Bordeaux. Doit-elle inclure Cahors ? À Cahors, on se pose la question. Certains sont pour, d'autres contre. Eh bien, parmi les pour, parmi les partisans d'une inscription de Cahors dans l'aire de production Bordeaux, j'ai retenu deux intervenants, enfin Adrien Pandériès et puis une lettre qui a plus largement circulé, qui, si vous les lisez, montre bien que l'on considère l'Auxerrois comme le plan qui permet de faire le vin qui va bien pour les vins bordelais. Hein, on en revient à cette idée que le vin de Cahors, issu de l'Auxerrois, remontait les vins bordelais. Et donc, un des arguments pour l'inscription dans l'aire de production, c'est qu'on a planté cépage pour répondre à la demande de Bordeaux. Donc maintenant, c'est un peu fort de nous fermer la porte, vous les Bordelais. Bon. Attention, hein, en 1908-1909, parmi au Conseil général, là où ont lieu les débats, il y a de farouches opposants à ce point de vue, et qui disent « Non, mais là, vous parlez de la période la plus récente, celle du phylloxéra, où on a beaucoup fourni, oui, Bordeaux, quand il commençait à avoir une chute de production, mais notre vin s'est toujours vendu pour ce qu'il est, comme cru. Donc, on n'a rien à faire avec les Bordelais. Hein, il y a les deux positions. Les dénominations, maintenant. Ce que savons-nous ? La première chose qui apparaît, c'est que ce cépage a de très nombreux noms. Au XVIIIe siècle, j'ai trouvé cette jolie formule chez Segonda, en 1785, ce cépage, il a autant de noms qu'un seigneur espagnol. Alors, les auteurs de l'époque ne sont pas même conscients de toutes les synonymies, mais nous savons aujourd'hui, par recoupement, qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a au moins 60 synonymes pour l'Auxerrois, Malbec, Caux, Corps et d'autres. La nouveauté que nous amenons, la première nouveauté qui provient de nos recherches, enfin, disons des recherches qui ont été conduites dans le sillage de nos travaux, nous la devons à Henri Galinier, qui nous apprend que la première dénomination de notre fameux cépage, ça n'est pas Auxerrois, ça n'est pas Malbec, ça n'est pas Caux, c'est Samoireau. Première mention du cépage qui nous intéresse, dans un texte écrit, elle date de 1537, chez Charles Étienne, dans son Vinetum, et il parle du Samoireau. Or, Henri Galinier a démontré par un travail lexicographique méticuleux que ce Samoireau n'est autre que l'Auxerrois. Alors, pourquoi ce nom ? D'où vient ce nom de Samoireau ? Peut-être certains franciliens connaissent-ils la commune de Samoireau, à côté de Fontainebleau, où François Ier, dans les années 1530, alors qu'il fait construire son château, demande aussi le développement d'un vignoble attenant au château, qui sera planté d'espèces et de variétés de la France entière, et même de l'Espagne. Et il demande, on a cela dans les actes, hein, du roi, il demande est demandé au consul de Cahors des plans du vignoble de Cahors. C'est un certain Rigal qui est envoyé pour planter en convoi, planter certains sujets tirés du vignoble cadurcien. Et il se trouve que parmi tous les plans qui se retrouvent à Samoireau, dans ce vignoble, une sorte de pré-conservatoire des vignes de France, il se trouve que celui qui va le plus se diffuser autour, en région parisienne, dans l'Orléanais, aux marges de la Champagne et de la Bourgogne, c'est l'Auxerrois. C'est le plan issu de Cahors. Et
les vignerons qui prennent ce plan, l'appellent du nom du vignoble où ils le prennent, Samoireau, hein, ce qui était commun hein, de prendre de dénommer un cépage à partir de l'endroit où on en prend une bouture ou un plant. Voilà, donc si vous m'avez suivi, Samoireau, premier nom du Malbec. Alors, Auxerrois maintenant. Multiples hypothèses sur l'origine de cet empélonyme. La première hypothèse a été formulée déjà par François Roaldès, hein, dans ses années 1580, qui nous dit l'Auxerrois qu'aucun pense avoir été apporté d'Auxerre en ce pays. Alors cette hypothèse, ce n'est pas moi qui ai travaillé sur ce sujet, encore une fois, mais nos amis médiévistes et Henri Galinier disent que cette hypothèse ne tient pas. Et l'hypothèse la plus récente, mais il faut garder un point d'interrogation, n'est pas une explication définitive. Elle est donnée par Patrice Foissac dans le livre qui est ici à l'honneur. Pour Patrice Foissac, le nom d'Auxerrois serait peut-être un lointain dérivé d'Austerus. Austerus, austère, l'adjectif austère, qui veut aussi dire sombre, noir, hein, dans la langue de cette époque et sous la plume notamment des notaires qui parlent de la monnaie noire, hein, du cuivre qui se colore avec le temps en employant le terme austerus et qui pouvait aussi l'utiliser pour parler d'un vin. Du reste, en Italie, on parle de vin austère encore et chez les auteurs antique, on trouve la formule vinus austerus, apparemment. Donc, cet austerus serait devenu par altération auxerus, et en occitan auxerus, auxeres, auxerus, et auxerrois par francisation, après l'édit de Nantes. Ça fait un chemin compliqué, mais c'est à ce jour, franchement, l'hypothèse la plus crédible. Malbec maintenant. Alors là, j'ai personnellement travaillé sur le sujet. Oublions la mauvaise bouche. Malbec en occitan, ce serait plutôt le relief problématique, hein, le mauvais relief, le relief qui pose problème. Pour aller vite, au-delà des explications fantaisistes du paysan hongrois et toutes ces choses, nous avons deux hypothèses. Là encore, d'explication définitive à vous donner. Ces deux hypothèses, elles ont été formulées à la fin du XVIIIe siècle et au milieu du XIXe siècle. La première, c'est Segonda, j'y reviens, 1785, qui évoque le Malbec et qui nous dit que c'est un dénommé Malbec qui a beaucoup planté ce cépage dans le Médoc, qui est alors en pleine conversion à la viticulture. Une enquête sur l'encépagement en France menée au même moment, montre en effet qu'à Pauillac, mais aussi plus au sud, à Bazas, on trouve de plus en plus de Malbec. Les archives girondines, en revanche, restent muettes sur l'existence d'un propriétaire dénommé Malbec dans ces zones. Quand on dépouille les actes notariés, on ne trouve pas de Malbec possessionné, propriétaire dans ces zones. La seconde hypothèse, donc on ne peut pas encore dire qu'il y a M. Malbec qui a développé le Malbec là-bas. La seconde hypothèse sérieuse est formulée donc à peu près 80 ans plus tard par le professeur d'agriculture du département de la Gironde, Auguste Petit-Lafitte. C'est la suivante. Un propriétaire dénommé Malbec aurait planté ce cépage dans l'Entre-deux-Mers, donc rive droite cette fois, rive droite de la Garonne, à Sainte-Eulalie-d'Ambarès. Et de là, le cépage se serait répandu sous ce nom partout en Bordelais. Alors, j'ai pu retrouver, cette fois-ci, une famille Malbec, propriétaire à Sainte-Eulalie, et propriétaire d'un domaine dit de Malbec, propriétaire dans les années 1700, et qui défriche dans les années 1770 pour planter un vignoble, pour agrandir un vignoble. En revanche, dans les actes notariés que j'ai pu consulter, je me suis
régalé de cette documentation dont je ne suis guère familier, mais du fin du XVIIIe, très lisible finalement. Il n'y a aucune mention de ce cépage. Il n'y a pas de mention particulière du cépage utilisé par la famille Malbec. Alors vous avez à l'écran la propriété Malbec représentée au milieu du XIXe siècle, le château de Malbec, qui existe encore aujourd'hui et qui est propriété de la famille Castel. Voilà les deux hypothèses. J'en reste là pour les dénominations et je vais aller beaucoup plus vite sur la diffusion. La diffusion, elle est très vaste. Fin 19e, le grand empélographe Pullia dit que le Malbec est de tous nos raisins à vin, celui dont l'aire de dispersion en grande culture est la plus étendue dans nos vignobles français. On a vu comment ce cépage s'est étendu dans le vignoble francilien dès le XVIe siècle et jusque sur les marges champenoises sous le nom de Samoireau, si vous m'avez suivi. En Bordelais, quand est-ce qu'il est arrivé ? Il est arrivé en deux vagues. La première, au milieu du XVIIIe siècle, et c'est ce qui amène Segonda et d'autres à dire qu'on voit beaucoup de Malbec, aussi appelé Cahors, aussi appelé Pied de Perdrix, se répandre. Et il y a... Alors, on peut l'expliquer. Pourquoi les Bordelais se mettent-ils à faire venir ce plan-là ? Moi, j'ai deux hypothèses. La première, c'est qu'ils veulent un vin plus sombre et qu'au lieu de le couper avec des vins de haut pays, on le fait directement sur place avec ce cépage. Deuxième hypothèse, il y a un léger mieux climatique dans le petit âge glaciaire qui court du 14e au 19e siècle. Un léger mieux climatique dans les années 1700... À 1800, et là, le cépage peut se plaire en région bordelaise. Deuxième moment, phase d'expansion en Bordelais, c'est au moment de la crise de l'oïdium, qui fait la richesse, la fortune de Cahors, parce que le Malbec est moins sensible à l'oïdium que d'autres cépages, mais qui fait aussi sa diffusion très forte, très intense en Bordelais. On plante énormément de Malbec au milieu du XIXe siècle, dans le contexte de la crise de l'oïdium à Bordeaux. Problème, c'est qu'au milieu du XIXe, le climat a changé. Il y a eu une éruption volcanique terrible en Indonésie. Les températures sont moins clémentes et le Malbec mûrit moins bien en Bordelais, ce qui va lui donner une mauvaise réputation. En Bordelais, il ne fait pas le degré, il ne mûrit pas. Et donc, au moment du phylloxéra, on l'oublie. Et on replante peu, ce qui fait qu'il devient très, très marginal dans l'encépagement bordelais. Alors c'est dans ce contexte que Malbec prend la mer, donc là voilà la crise de l'oïdium, la vigne souffre, souffrons la vigne, la réponse à l'oïdium ça a été de souffrer. C'est dans ce contexte, milieu 19e, que le Malbec prend la mer, part sous tous les climats. On le retrouve dans les années 1840 en Australie. Donc il y a des publicités dans la presse australienne des années 1840. Vous voulez faire un vignoble dans la Nouvelle-Galles du Sud, nous on a des pépinières, on a des plants de Malbec, entre autres. C'est un cépage qui se vend relativement cher. Et puis, au même moment, 1846, on a une mention du Malbec au Chili, et du Chili, il va partir en Argentine, où il va se diffuser énormément. Après le phylloxéra en France, et je conclue là-dessus, le cépage devient très discret. Le seul endroit où il subsiste, c'est à Cahors, où il est vraiment pris au sérieux, même s'il a failli disparaître avec les grandes gelées de 56-57. À partir des années 60, c'est la bascule, on plante beaucoup de Malbec dans la région de Cahors. Le vignoble se développe considérablement. Dans le même moment, en Argentine, on arrache le Malbec, jusqu'à ce que dans les années 90, les Argentins se mettent à replanter du Malbec, à le promouvoir sur les marchés internationaux, et qu'à Cahors, on se dise, ma foi, peut-être qu'on pourrait se faire connaître un peu plus à l'international en prenant ce nom de cépage, Malbec, en le faisant apparaître sur nos étiquettes, plutôt qu'Auxerrois. Et c'était le début de Cahors-Malbec, que nous connaissons aujourd'hui, et une expansion à la fois en Argentine et à Cahors
pour un tango, a-t-on dit à un moment, un tango du Malbec dans le monde. Voilà, merci de votre attention. Eh bien, nous allons engager cette seconde session, toujours dans la diffusion du Cahors, avec la communication de François-Xavier Nérard de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur le Cagor dans les espaces russes, soviétiques et post-soviétiques, avec une question essentielle: est-ce que c'est l'histoire d'un autre Cahors? Eh bien, merci beaucoup, merci à tous de m'accueillir ce soir autour d'une question qui peut sembler un peu exotique, et je choisis volontairement d'axer ma communication sur un côté un peu festif et exotique. Malheureusement, je vais parler de territoires et de régions qui sont très éprouvées aujourd'hui par la guerre, et donc il m'a semblé peut-être utile de décentrer un peu tout ça et d'avoir un regard un peu plus amusé. J'ai choisi de commencer par ces quatre étiquettes de différents Cagors, qui sont donc ce vin soviétique. Ça part de la gauche vers la droite. Enfin, l'étiquette noire est une étiquette d'un vin produit au Turkménistan. Ensuite, vous avez un vin qui s'appelle aussi Cagor, qui est produit en Azerbaïdjan. L'étiquette rouge est produite du même vin produit en Moldavie, et l'étiquette plus violette est produite en Ouzbékistan. C'est vous montrer comment, à l'époque soviétique, c'est des étiquettes qui datent des années 70-80, à quel point il y a une diversité de production, de zones de production plutôt, d'un produit qui porte le même nom partout, et dont l'essentiel point commun est d'être un vin rouge doux. Alors, si vous lisez le russe, vous vous rendez compte que la doux est assez fort. Hein, la teneur en alcool est de 16%, 16 degrés, et 16% de sucre. Donc on est dans un vin très doux qui n'a pas grand-chose à voir avec le Cahors. C'est pour ça que je le dis tout de suite, un autre Cahors. Mais c'est intéressant de voir cette diversité et cette unité en même temps, et de se poser la question, comment on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que c'est un vin qui est absolument essentiel dans la table et la sociabilité soviétique. Je crois qu'à la fin des années 80, quand on en trouvait encore, parce que c'est toujours des périodes de pénurie, mais peut-être même au début des années 90, c'est vraiment le vin qu'on doit avoir, parce que il y a une consommation assez genrée de la chose. C'est plutôt les femmes qui boivent ce vin qui est un peu doux, alors que les hommes, dans leur virilité, pratiquent un autre type de vin plus blanc et plus alcoolisé. Mais ce qui m'a intéressé avec vous, alors rapidement, et je vous renvoie à d'autres travaux, de se poser la question: comment on est arrivé à avoir un vin qui n'a pas grand-chose à voir avec le Cahors, qui porte le même nom, parce que Cagor est juste la translittération en lettres cyrilliques et en langue russe du nom de la ville de Cahors. Comment on en est arrivé là? Alors, ça me permet de vous proposer une sorte de petite histoire rapide à la fois de ce vin Cagor et en même temps du vin dans l'espace russe au sens large du terme, parce que, encore une fois, ce n'est pas un breuvage qu'on consommait beaucoup. Enfin, ce n'est pas un breuvage qu'on consommait tout court dans ces espaces russes. Alors, russes, on va commencer dans la Rousse de Kiev, qui est donc la région de Kiev, qui est, selon qu'on soit russe ou ukrainien, de toute manière l'origine de toute cette histoire. Et c'est à ce moment-là, en fait, autour de l'expansion de cette Rousse de Kiev, que le vin va arriver, le vin de raisin va arriver dans ces territoires. Les premières mentions, on les trouve dans la chronique des temps passés, qui est l'une des premières chroniques au XIIe siècle qui décrit l'histoire des origines de la Rousse ou de la Russie. On trouve deux mentions des vins, d'abord en 907, au moment de la deuxième attaque
de, alors je mets russe, mais rousse, enfin bref, de cette, de, des peuples de cette région-là sur Constantinople, et qui ramènent en butin du vin, et surtout, évidemment, à partir de 987, et la conversion au christianisme de Vladimir. À ce moment-là, le vin va rentrer sur le territoire dans un but essentiellement liturgique. Il s'agit de, d'accompagner le miracle de l'Eucharistie. Parce que dans cette... et c'est bien mis en scène. Par exemple, la chronique des temps passés raconte comment Vladimir fait une sorte de benchmarking pour savoir quelle religion il va adopter. Alors, il a différentes personnes qui viennent. Il y a notamment des musulmans de Bulgarie qui lui expliquent un peu tous les interdits de, de leur religion. Évidemment, il ne faut pas boire. Et ça, il est mis en scène, Vladimir, disant comment nous, les Russes, nous ne pouvons, on ne peut pas accepter de ne pas boire. Donc, c'est pour ça qu'il est... Il choisit notre religion. Bon, enfin, évidemment, on est dans tout ce récit, la construction de ce récit national. De fait, dans la Russe qui est Vienne, on ne boit pas de vin de raisin, on boit beaucoup de boissons fermentées à base de seigle, de blé, comme le kvass, à base de miel, à base de baies fermentées. Donc, on a toute une série de jus de bouleau fermentés aussi. Qui fait que, bon, voilà, on n'est pas dans une terre de la culture du vin, ce qui ne vous surprendra pas, et le vin qui est extrêmement rare, importé pour des raisons religieuses, l'est essentiellement depuis les régions byzantines. C'est de fait l'Église, on va arriver, ne vous inquiétez pas, à Cahors d'une manière ou d'une autre, enfin, une des principales difficultés quand on travaille sur l'histoire du Cahors et du Kagor en Russie, c'est de repérer spécifiquement le Kahor ou les vins de cette région, dans la mesure où généralement les dénominations sont très vagues. Et même quand on parle de vin en Russie pendant très longtemps, le mot vino ne signifie absolument pas le vin de raisin, c'est la vodka, ce qu'aujourd'hui on appelle la vodka, qui est appelée le vin. Donc quand on lit dans des textes un peu anciens quelqu'un qui boit du vin, eh bien, détrompez-vous, il ne boit pas du vin de raisin, il boit de la vodka. Donc, c'est assez difficile. Bref, le récit, en fait, est, enfin, assez logiquement, il y a deux grands vecteurs de l'introduction du vin dans la Russie à partir du XVIe siècle, et aussi du vin de Cahors dans la manière dont c'est raconté, en tout cas. Je pense qu'il appartiendra encore aux historiens vraiment de préciser tout ça, parce que ça relève un petit peu aussi d'un récit, d'une certaine légende. Bon, le vecteur principal d'importation du vin, c'est bien l'Église, et ça, depuis le Xe siècle, je vous l'ai déjà dit, mais à partir de 1551 et le concile des 100 chapitres, il est explicitement dit que le vin utilisé dans la messe doit être un vin étranger, sous-entendu un vin, donc forcément un vin de raisin, mais un vin qui vient de l'étranger, avec un certain nombre de qualités, et notamment son caractère assez foncé, qui est recherché par l'Église orthodoxe. Le deuxième vecteur, un peu plus tard, à la fin du XVIIe siècle, ça va être Pierre le Grand, mais on est là aussi dans une sorte de récit, j'allais dire, un peu inévitable, puisque Pierre le Grand est le grand occidentalisateur de la Russie, c'est lui qui impose à marche forcée aux Russes de se couper la barbe, de couper leur long manteau, le caftan qu'on appelait, pour adopter le costume à l'occidental. Et donc, dans cette logique, il est tout à fait normal que dans ce récit-là, Pierre le Grand soit un amateur de vin et qu'il fasse la promotion de la consommation de vin en Russie. Et c'est d'ailleurs sous Pierre le Grand, enfin, les premières traces écrites d'une mention de vin de Cahors en Russie sont liées à la consommation de Pierre le Grand, qui aurait été souffrant et qui, pour se soigner, buvait du vin de Cahors. Bon, alors après, voilà, est-ce que c'est vrai, apocryphe J'en sais rien, mais en tout cas, c'est régulièrement rappelé, on le retrouve dans plusieurs textes. Donc, c'est la première véritable mention de la présence des vins de Cahors en Russie. La première mention, plus fiable, parce que présente dans une source de l'époque, elle date de 1786. Quand on voit sur des bateaux qui traversent le détroit du Zund
pour rejoindre la Russie sur les registres de douane, pour la première fois, la mention explicite d'un vin de Cahors. Et la présence donc de ces vins en Russie est attestée à peu près régulièrement pendant le 19e siècle. On en trouve plusieurs mentions de commercialisation et de consommation. Ce 19e siècle est à la fois une sorte d'apogée de la présence des vins de Cahors et un moment de bascule qui va nous amener à notre Cagor et à disparition des vins de Cahors en tant que tels vers les vins de Cagor russes. Pourquoi ? Parce que, bon, crise phylloxera, tout ça, Léonard l'a très bien expliqué tout à l'heure, je n'y reviens pas, ça provoque aussi une production moindre, une exportation moindre. C'est aussi le moment d'un certain nationalisme de production en Russie, où, sous Alexandre III, on va promouvoir la fabrication russe de produits qui étaient importés jusque-là. Et ça va concerner notamment le vin. Alors, différents vins qui vont désormais être produits sous des noms russifiés en Russie. Hein, je vous ai mis quelques étiquettes de l'époque, mais vous voyez qu'on produit dès la fin du 19e siècle du sauterne russe et le fameux champagne, un champagne russe qui est produit lui aussi à la fin du 19e siècle. Et on va produire un vin qui va s'appeler le Cagor à partir des années 1880. Un certain Goubonin qui va produire ça dans le sud du pays, notamment en Crimée. Donc on a à ce moment-là la production de vin qui ressemble, enfin on est dans une sorte de substitution d'importation qui n'est pas sans rappeler la politique russe depuis quelques années, et qui vont produire des vins dont ils vont chercher à se rapprocher des originaux, mais avec leurs propres moyens, leurs propres cépages, voilà. C'est ce moment-là qui est absolument central dans cette histoire parce qu'on commence à improviser, à inventer ou à fabriquer des vins, dont un vin qui s'appelle Cagor. Et ce vin de Cagor, il va être à l'intersection de ce phénomène de nationalisation de la production et de vin de messe. Hein, parce que c'est pour l'utiliser en tant que vin de messe qu'on va véritablement le promouvoir, le fabriquer, là encore, parce qu'on recherche son côté très sombre, qui est très recherché par l'Église orthodoxe. Alors, c'est le côté vin de messe qui en fait la raison de la production, mais c'est pas l'Église qui en est la principale consommatrice. L'Église orthodoxe consomme, je crois, 10% de la production de vin de Cahors, de Cagor à ce moment-là. Et alors c'est assez largement consommé quand même, sans que ce soit une consommation extrêmement importante quand même, dans l'Empire de Russie. C'est que ce moment-là se passe fin 19e, début 20e, et très rapidement, on arrive à la Première Guerre mondiale, et que toutes les régions de production du vin, de manière générale, dans l'Empire de Russie, vont être le terrain de la guerre civile et de la Première Guerre mondiale, mais surtout de la guerre civile. C'est-à-dire que le sud de l'Ukraine, le sud de la Russie, la Crimée, sont des régions où on combat, où on détruit beaucoup. Et en fait, la viticulture russe va être très fortement impactée. J'ai bien qu'il ne faut pas trop le dire avec ce mot-là, mais enfin très touché par ces événements, et que en fait, on va reconstruire, l'Union soviétique va reconstruire une viticulture à partir des années 1930. Elle reconstruit avec des représentations, c'est-à-dire avec les représentations de ce qui existait à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire ce vin qui était déjà plus un vin exactement vin de Cahors, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Cagor, qui était un peu sombre, un peu fort, un peu sucré, et on va essayer de reproduire ça. Dans cet effort des années 1930, qui correspond
au moment où, pour Staline et pour son ministre de l'Agriculture et de la Consommation, Anastas Mikoyan, il s'agit de montrer que Staline a raison quand Staline a dit « la vie est devenue plus gaie, la vie est devenue meilleure, camarade ». Et comme la vie est devenue plus gaie, la vie est devenue meilleure, il faut qu'on puisse boire, notamment du champagne. C'est le moment où le champagne soviétique va vraiment être développé de manière très importante, mais également d'autres vins. Et, comment dire, et donc le Kagor qui va trouver un début de production à ce moment-là. C'est montrer que la vie est devenue meilleure, que la vie est devenue plus gaie. C'est aussi montrer qu'on n'est plus des sauvages et qu'on rentre dans une logique de civilisation des mœurs. Et le vin, pour les soviétiques, est un étalon de la civilisation des mœurs. Je cite le livre de la cuisine saine et bonne, qui est le livre de cuisine publié dans les années 1930, qui ne correspond pas véritablement à ce que les gens mangeaient, mais à une sorte de représentation qu'on cherche à donner de ce qu'on doit manger, qui est plus normatif que descriptif. Mais quand même, il est écrit... Je cite, « Pour ce qui concerne la consommation de boissons, il faut passer des goûts grossiers et primitifs à des choses plus fines, de la vodka au vin de raisin, et son bouquet si riche de goût et d'arôme. » Bon, alors après, de l'objectif à la réalisation, il y a tout un fossé. Donc, un peu plus loin, dans le même livre, ils expliquent aux soviétiques comment consommer du vin rouge de raisin, donc, c'est pas un truc qu'ils savent vraiment comment consommer. Donc, je cite encore, « Il est recommandé de servir des vins rouges après avoir réchauffé la bouteille dans de l'eau chaude. » Bon, donc on peut un tout petit peu... voilà. Mais au moins, c'est le début. C'est le début de cette histoire où on va, notamment en Azerbaïdjan, à partir dans le Caucase, à partir de 1928, et en Crimée, à partir de 1933, produire des vins de Kagor qui sont assez remarqués et remarquables. Et vous avez ici, alors la mise en bouteille est récente, mais d'une cuvée de 1936, des caves de Massandra en Crimée. La véritable production de masse en Union soviétique de vin de manière générale et de Kagor assez logiquement, date de l'après-Seconde Guerre mondiale, parce que, encore une fois, ces terres de l'Ukraine, de la Crimée, du Caucase sont des terres qui vont être touchées très fortement par la Seconde Guerre mondiale cette fois. Mais on va assister à une explosion de la production de vin et de la consommation de vin qui reste encore difficilement définissable. Alors, très genré, encore une fois, le vin est quand même sur une table de fête en Union soviétique, le vin consommé par les dames alors que les hommes consomment de la vodka. Les vins de mauvaise qualité sont consommés par les ivrognes dans la rue parce que ça coûte moins cher que d'acheter de la vodka. Donc on a, c'est pas non plus une consommation de prestige. Et cette augmentation de la production que vous voyez sur cette diapositive, on est le témoin. Le vin, en étant de plus en plus produit, se banalise, hein, donc, comme je viens de vous l'expliquer, et se standardise, j'allais dire, et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver ce vin de Kagor qui va être produit un peu partout en Union soviétique. Je vous renvoie aux étiquettes par lesquelles j'ai commencé tout à l'heure. Standardisé, c'est-à-dire on a la même quantité de sucre, la même couleur ou à peu près, la même quantité d'alcool ou à peu près. Bon, alors, voilà, ça se ressemble plus ou moins, mais c'est produit à partir de cépages extrêmement divers, très peu ou pas de Malbec, mais des cépages géorgiens, comme le Saperavi, le Tavkeri, il y a du Mouvred, il y a du Cabernet, ça dépend des endroits, voilà, le résultat est ce vin un peu liquoreux, un peu sucré, un peu épais, qui va être tellement apprécié sur les tables. Alors parce que je plaisante un tout petit peu sur ce que c'est que ce vin de Kagor, mais c'est encore une fois un vin très... Enfin, c'était, ou c'est encore, un vin très apprécié. Enfin, c'était vraiment un vin...
Alors, j'en termine par deux petites choses. Dans ce panorama de la production du Kagor, qui, vous le voyez, touche toutes les régions méridionales de l'Union soviétique. Je vous ai parlé de l'Ouzbékistan, le Turkménistan, les pays comme la Géorgie ou l'Azerbaïdjan dans le Caucase, mais également l'Ukraine. L'Ukraine qui va être l'une des grosses productrices de Kagor pendant toute la période soviétique et après, à tel point qu'au moment de la signature et de la négociation de l'accord d'association de l'Union européenne, enfin de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui a été l'une des raisons de la crise de 2014 et donc du basculement de l'Ukraine dans la guerre, puisque l'Ukraine est en guerre depuis 2014, il y a un point spécifique qui prévoit la production de Kagor écrit dans le texte en caractère cyrillique, autorisant donc l'Ukraine à produire ce vin défini comme un vin avec une teneur d'alcool comprise entre 15 et 17 degrés et 140 à 200 grammes de sucre par litre, vin défini comme un vin muté, produit à base de raisins et de moûts locaux. Donc ça, c'est prévu dans l'accord d'association Ukraine-Union européenne en 2014, donc encore une fois, un des derniers actes de l'Ukraine en temps de paix. Vous avez ici quelques étiquettes de l'époque. L'Ukraine produisait beaucoup de Kagor en Crimée, annexée en 2014 par la Russie. L'entreprise Inkermann, qui a produit le Kagor que vous avez ici sur cette diapositive, a dû quitter la Crimée, produit aujourd'hui son vin dans la région d'Odessa. Pas non plus top en ce moment, mais ça reste juste avant la guerre, en tout cas, clairement, un vin produit et consommé en Ukraine. Alors, je voulais juste terminer. Attends. Tais-toi. Allez, je termine juste par un petit sourire, après vous avoir imposé cette longue dissertation sur le Kagor soviétique. C'est un extrait d'un film, alors qui n'a rien à voir avec le Kagor, parce que vous allez voir justement, là, le vin n'est pas de... Mais c'est pour vous donner une idée de la représentation de la consommation de vin en Union soviétique. C'est un extrait d'un film qui s'appelle « La prisonnière du Caucase » de Leonid Gaïdaï, qui est une sorte de, je sais pas, Jean Giraud, peut-être, ça vous... Voilà, Jean Giraud soviétique, ce n'est pas des films d'une finesse absolue, mais ça peut être rigolo. Et donc la consommation de vin est très associée en Union soviétique au Caucase, à la Géorgie. Et là, vous avez un sorte de jeune homme qui est un anthropologue qui va en Géorgie voir un peu comment on consomme le vin. Et on consomme le vin en Géorgie en portant des toasts. Hein, c'est vraiment, il y a le tamada qui est le chef de table et qui ouvre le repas en portant un toast et régulièrement porte des toasts. Et donc, il étudie les différents toasts et il arrive dans son hôtel et il demande... à savoir comment il peut avoir des informations sur ses toasts et comment on boit le vin en Géorgie. Alors, je vous laisse découvrir et puis après, je me tais. Voilà. Thank you.
cette très belle communication et puis de toutes les interrogations que ça soulève sur la circulation des cépages, sur les origines et puis aussi sur les manières de boire et la représentation des étiquettes. C'est tout à fait passionnant ce que vous avez présenté. Je vais passer la parole maintenant à Pascal Tessé de Sorbonne Université pour justement rester sur cette question des origines. L'appellation d'origine Cahors au XXe siècle. Bien, merci Monsieur le Président. Je vais donc essayer, dans le temps qui m'est imparti, de donner quelques points de repère sur la manière dont s'est fixée l'appellation Cahors vers trois grandes étapes et interpréter ces étapes comme des révélateurs de ce qu'est, en tout cas partiellement, l'identité de ce vignoble et de la communauté qui le porte. En guise d'introduction, donc, quelques jalons pour tout de suite poser le paysage. Nous avons, pour se situer au début du XXe siècle, les premières délimitations, notamment la délimitation de l'aire de Bordeaux. Cahors entre dans la danse, si l'on veut, en 1930, avec un jugement du tribunal de Cahors, et puis, quelques années plus tard, le rejet de la candidature en appellation d'origine contrôlée. Ce sera ma première partie, en soulignant le fait que cette évolution va finalement donner des clés pour ensuite analyser les évolutions futures. Dans un deuxième temps, je passerai peut-être un petit peu plus vite, c'est en 1951, une étape majeure, l'attribution de la mention de vin délimité de qualité supérieure, et en 1971, et ce sera ma troisième partie, l'appellation d'origine contrôlée, qui est l'aboutissement d'une évolution qui, vous le voyez, prend presque un demi-siècle. Alors donc, premier point, la première reconnaissance juridique et l'échec de la première demande d'AOC. Tout d'abord, soulignons, à travers les archives du Lot sont assez riches, finalement, sur l'histoire du XXe siècle, qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'influences, beaucoup de procès autour de qui peut utiliser le terme de vin de Cahors. Ces conflits montrent qu'à partir des années 30, cette mention est recherchée. Il va falloir donc trouver un moyen de la fixer. Alors cela va se faire dans un contexte juridique qui évolue, puisqu'il y a deux lois, en 1919 et 1927, qui changent les moyens, je dirais, d'attribution de ces références par rapport au vin. Ce sont des lois qui désengagent d'une certaine manière l'administration. L'administration prend un peu de recul par rapport à ces procédures et donne plus de pouvoir aux juges. Et donc en 1930, les producteurs de Cahors vont se lancer dans, et ils sont en avance par rapport à d'autres appellations, dans une procédure, je passe sur les détails, qui leur permettent, après un jugement donc, du tribunal, de se voir reconnu le droit de s'appeler vin de Cahors. Alors il y a tout un ensemble d'éléments qui permettent de relier ce droit à des critères. Je passe, mais on évoque déjà les terrains, les cépages, le degré minimum, qui était de 10 degrés à cette époque, le rendement maximum, 40 hectolitres à l'hectare, le périmètre, un périmètre assez large. Et donc, c'est le premier moment de fixation officielle par le tribunal de cette mention de Cahors. Alors, dans ce processus, et c'est un autre élément que l'on voit apparaître dès cette première période, il y a donc ces aspects d'expertise, de procédure, mais il y a également le poids du politique. Et un personnage, Anatole de Monzy, qui est une figure majeure de l'histoire politique de Cahors, qui va pousser dans cette affaire, qui va être un petit peu le stratège et qui va permettre, par son entregent, mais également par sa capacité de mobilisation, d'obtenir ce jugement. Alors Anatole
de Monzy. Je regrette que Olivier Dard n'ait pas pu se joindre finalement à nous, mais est un personnage extrêmement intéressant de cette époque. On le voit ici dans différentes circonstances. Et puis, ici, lors d'une, en bas à droite, c'est une visite en Pologne, en 1939, il vient inaugurer une ligne de chemin de fer ou de métro, je ne sais plus pour auquel les Français ont participé. Et puis, alors ça relie l'appellation Cahors aux auspices les plus élevés, puisqu'on le voit en haut à gauche, en compagnie d'Einstein. Donc, on voit que Anatole de Monzy était très bien influencé. Donc, 1930, cette appellation qu'on voit là sur ce document de cette époque qui se fixe par les voies juridiques. Alors, dans le même temps, la règle du jeu change. La règle du jeu change puisque ce sont des règles qui vont permettre aux appellations à travers toute la France de revendiquer l'AOC. L'AOC peut être obtenue à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans les deuxième partie des années 30, et une première demande est faite dès 1937 par les producteurs de Cahors. Il y a un débat, est-ce qu'il faut la demander? Finalement, elle est demandée en août 1937. Elle est examinée en novembre 1937 et elle est refusée. Donc en 1937, il y a un refus de l'appellation d'origine contrôlée, refus qui est motivé, alors je cite rapidement, « Cette appellation est renvoyée en raison de l'extension considérable donnée par la demande du syndicat à l'aire de production. Le comité est chargé de faire une enquête à ce sujet. » Alors bien évidemment, tout cela se passe en 1937, le temps de remettre les choses un petit peu en route, arrive la Seconde Guerre mondiale, et donc une première phase de cette histoire de la reconnaissance officielle réglementée du Cahors s'achève. Alors là aussi, on voit l'influence du politique et on voit peut-être le manque de relais des cadurciens. Bon. Comment expliquer en effet cet échec? Ce sera le dernier point de ma première partie. On l'explique tout d'abord par une demande qui couvrait un périmètre bien trop large. Alors, ce point peut se discuter en raison de la manière dont étaient exploitées en fait, les terres, etc. Mais enfin, ça a été retenu en tout cas comme quelque chose de négatif. Le manque de cohésion. Car quand on regarde les documents, on s'aperçoit qu'au sein de ce que l'on appellera la communauté cadurcienne, eh bien, il n'y avait pas unanimité pour ces démarches. Et il y avait notamment une tension entre les négociants, les producteurs, certains producteurs entre eux, parce que obtenir l'AOC allait signifier une augmentation du prix, une augmentation de la qualité, une augmentation des contraintes. Et donc, on relève en 1937 ce manque de cohérence qui est relevé notamment par Ernest Lafont dans ses écrits. Et puis, on le perçoit, alors les documents de locaux montrent qu'il y a une sorte de frustration par rapport à ces décisions qui sont prises ailleurs, un manque d'influence sur le politique, puisque les hommes qui pèsent sur cette réforme de l'AOC, avec la création de l'ancêtre de l'INAO, eh bien, ce sont plutôt des gens. Alors, Bordelais, hein, ce sénateur Joseph Capus, qui est l'un des créateurs de cette réforme, et puis Pierre-Marie Gabriel Leroy de Boisseau-Marier, grand pilote de la Première Guerre mondiale, et qui aura un rôle important aussi dans cette structure, et qui n'était pas très proche peut-être des milieux qui durcient. Donc, cette première période montre une première réussite limitée, un échec mal ressenti, et permet d'identifier les grands éléments qui vont animer cette marche des producteurs ou de la communauté cadurcienne au sens plus large vers l'AOC dans la période suivante. Alors, période suivante qui va nous mener à l'attribution du statut de VDQS en 1951.
Alors, notons tout d'abord, et là je serai rapide, j'avais présenté des documents et une première réflexion à Cahors lors d'un dîner-débat sur ces questions. Je trouve que la période de la Seconde Guerre mondiale et de la libération et de l'après, de la reconstruction sont très intéressantes dans la région parce qu'on voit apparaître tous les acteurs, les producteurs, les négociants, les politiques. Et on voit à quel point très vite, après les combats qui ont libéré Cahors, eh bien, des initiatives sont prises par des familles différentes, par des réseaux différents, qui vont amener alors à la création de la CAF coopérative, à des revendications sur l'appellation. C'est assez compliqué, il y a beaucoup de procédures qui sont menées, il y a des jugements, ça va au tribunal. C'est assez complexe, je pense qu'il faudrait y revenir, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. L'information sur laquelle que je retiendrai aujourd'hui, c'est que, à nouveau, cette revendication d'avoir un meilleur statut devient un enjeu économique, devient un enjeu également politique. Alors pour cela, il faut obtenir des relais. Là, les cadurciens ont sans doute compris qu'il faut s'appuyer sur des relais politiques et ils vont, au cours de cette procédure pour la mention VDQS, bénéficier principalement du relais de Pierre Fimelin qui va pousser sur cette procédure, procédure qui sera malgré tout assez longue. Et là, on voit que rien n'est facile. Peut-être cela l'est-il plus pour d'autres régions, plus mieux reconnues, mieux installées, mieux en cours, dirais-je, dans les instances nationales, mais on voit que le dossier connaît quelques difficultés. Il est finalement évalué de manière positive, et donc à partir de 1951, la mention VDQS peut être apposée sur les bouteilles de Cahors. Alors ce qui est intéressant également, c'est que dès cette période, on considère, le vocabulaire qui est utilisé est assez intéressant, ce statut de VDQS comme un purgatoire. C'est une sorte de zone de probation avant d'accéder à l'AOC. Donc il y a une ambition qui s'affirme, une ambition qui mettra quelques années à être concrétisée. On voit également, alors, sur cette période, apparaître de manière beaucoup mieux maîtrisée par les cadurciens le rapport à l'expertise. Ce rapport à l'expertise, cette capacité à donner de l'information, à échanger avec les experts, des experts qui sont parfois critiqués, mais il y a une montée en technicité de cette communauté, de ces différents acteurs, qui est tout à fait intéressante. Et quand je dis montée en technicité, ce n'est pas simplement la capacité à produire du bon vin, enfin simplement, c'est une expression, mais à entrer dans les procédures, à voir ce qui peut être accepté, acceptable, notamment dans les délimitations, dans les choix, bon, ce qui crée parfois des tensions, bien évidemment. Alors, Abel Baudel et le syndicat des vignerons forment, le groupe le plus actif dans ces affaires. Ils sont également reliés à des négociants qui agissent. Et puis, il y a une tension qui apparaît, tension, bon, là aussi, qui mériterait d'être plus étudiée. On n'a pas eu accès aux archives de la CAF coopérative, donc c'était un petit peu compliqué, mais il y a une forme de polarisation qu'on ne retrouve pas dans d'autres vignobles ailleurs, avec parfois des profils assez comparables, en tout cas, oui, pas forcément proches, mais assez comparables, et on voit que l'avancée de la CAF coopérative bien, va être une avancée résistible, et que le syndicat des vignerons avec Abel Baudel joue sa carte sur cette montée en qualité et le maintien d'exploitants qui vont mettre eux-mêmes en bouteille, etc., etc. Et puis il y a le rôle des négociants qui est toujours intéressant avec l'un d'entre eux, M. Rathenauer, qui a un rôle tout à fait particulier, qui n'est pas le toit d'origine, qui va également jouer un rôle important dans cette montée, je dirais, en puissance difficile par des raisons climatiques. Les années 50 vont être difficiles, mais donc ce purgatoire va être plus long que prévu.
Il nous amène donc à notre troisième période, l'obtention de l'AOC, qui sera donc obtenue en 1971. Alors c'est un gros dossier qui va être monté par donc le syndicat et qui va être déposé officiellement le 17 janvier 1970. La demande est acceptée à Colmar en mai 1970. Une commission d'enquête commence son travail à Cahors dès le début du mois de juillet 1970. Donc on voit que les choses avancent plutôt bien. Et en septembre de 1970, la commission, sans doute bien traitée également par le maire de Cahors, Maurice Faure, va rendre un avis très favorable. Elle demande cependant quelques ajustements, et alors que tout semblait bien parti, les choses traînent, les choses s'enlisent. Le dossier semblerait être oublié. Et un vice-président de l'INAO appelle Roger Bedel à la mi-décembre 1970 pour l'alerter. Si vous n'intervenez pas très rapidement au plus haut sommet de l'État, votre demande en AOC va capoter. Alors, ces témoignages, on n'a pas les pièces. Hein. Quand un dossier s'enlise, il est toujours difficile de trouver des pièces d'archives qui permettent de dire « oui, il y a une certaine malveillance ». Mais on sent que différentes influences, peut-être, tendraient à freiner. Alors, ce sont des influences peut-être liées à une certaine distance entre les instances et Cahors. On évoque aussi comme hypothèse que la Confédération des VDQS ne serait pas très heureuse de voir cette production échapper finalement à ce qui fait sa réputation, son standing. Hein. Il y a aussi, alors toujours, ces tensions qui existaient, j'emploie l'imparfait, entre les producteurs et le négoce. On dirait que le négoce n'a pas intérêt à cette promotion qui ferait là aussi augmenter les prix, qui permettrait aux producteurs de gagner en indépendance. Donc, des tensions qui font qu'on s'alerte et donc là, on va se jouer une carte politique. C'est il faut toucher donc le président de la République et c'est à travers Bernard Pons, grâce au maire de Cajar, hein, le maire de Cajar, Guy Murat, donc, qui a le contact avec Georges Pompidou. Roger Bedel contacte Guy Murat, le maire de Cajar, et qui est depuis 69 député à l'Assemblée nationale, et donc est organisée une rencontre avec donc Bernard Pons, qui était le ministre de l'Agriculture, président de la République Georges Pompidou. Et cela dure une vingtaine de minutes. Et à la fin de cet entretien, Georges Pompidou, c'est le témoignage de Roger Bedel, se serait tourné vers Bernard Pons, lui disant « Monsieur le secrétaire d'État, c'est ainsi que vous vous occupez des affaires de votre département. » Donc, une nouvelle impulsion est donnée. Et là, la concordance semble vraisemblable. Hein. Le dossier s'accélère. Dès février 1971, le comité directeur examine la demande et le 15 avril 1971, le décret de classement paraît. Donc, l'horloge a gagné quelques tours. Alors, ce succès va être remarqué et apprécié. Il va donner indéniablement de cette sortie du purgatoire, je ne sais pas si c'est un paradis qui sera marqué par quelques difficultés jusqu'au temps présent, on le sait, mais c'est une réussite qui va permettre, donc on le voit ici, de faire apparaître sur ces bouteilles de Cahors cette appellation AOC avec quelques grands domaines. Alors je ne peux pas tous les mentionner, il y en a fait un effet un petit peu aléatoire, genre qu'on a aussi rencontré le domaine de Payaz, ou ici le château de Chambert, ou le domaine du Cèdre.
Bien, il y a aussi autour de cette AOC, le renforcement, une sorte de reconnaissance de ce groupe de producteurs de haut niveau qui avait poussé vers l'appellation, qui avaient gardé à des moments où c'était difficile la volonté de mettre leur vin eux-mêmes en bouteille, de garder leur identité. Mais il y a aussi une diversification des productions. Et ça, notre rencontre avec des collectionneurs d'étiquettes nous a permis de voir tout cela avec un certain intérêt, très partiel, hein, il y a eu des initiatives très, très diverses. Mais là, une étiquette qui vous montre l'inventivité commerciale d'une belle maison, puisque c'est pour le 20e anniversaire du premier vol Concorde en 1989 qu'on édite pas une cuvée spéciale, hein, c'est juste une étiquette. Mais vous voyez que la notoriété du Cahors s'est développée autour de cette AOC. Alors pour conclure, pas abuser de mon temps, je dirais qu'on voit très bien à travers ce fil, ces appellations, bon, les débats eux-mêmes, il faudra rentrer dans les vocabulaires utilisés, mais là, ce n'est pas possible aujourd'hui, on voit le lien entre l'histoire et cette reconnaissance statutaire, juridique, avec des conséquences bien évidemment économiques extrêmement importantes, mais qui dépassent l'économique, qui est d'un côté de représentation, d'affectif, dirais-je même, avec des personnages qui ont porté ce que les Cadurciens ressentent comme un combat. Il y a un côté, souvent, dans les témoignages un peu conflictuels, d'identité par rapport aux autres, qui peut permettre aussi parfois de surmonter certaines tensions internes, même à la communauté. Je m'arrête, bien sûr, au début des années 1980. Alors cela donnera lieu, bien sûr, à des initiatives que je vais tenter de cadrer dans une sorte de triangle qui permet de, je crois, comprendre cette évolution vers l'AOC. Et curieusement, ce triangle recoupe, enfin, ou logiquement, les raisons de l'échec de 1937. Tout d'abord, je dirais que pour parvenir à ce résultat, les Cadurciens ont été capables d'associer expertise et innovation, technique et qualité, dans un bon équilibre, une maîtrise des procédures, bien sûr, des pratiques, l'affirmation du Malbec, on l'a vu, beaucoup de choses autour des greffages, clones, etc. Donc une montée en technicité qui est comprise par les expertises, qui est, on sait communiquer avec les experts, même si ce n'est pas toujours facile, et ça, c'est un grand changement par rapport à la période précédente. Deuxième élément, il y a une question de communication et de représentation. Représentation, auto-représentation, mais également représentation par rapport aux autres. Donc, quand je dis communication, hein, parfois on dit « ce n'est que de la communication ». De mon point de vue, les aspects communicationnels sont extrêmement importants. Et dans cette communication, on pourra distinguer d'abord l'image de marque, hein, l'image du Cahors au niveau national, international, hein, jusqu'au Cahors, mais également ce lien avec le politique tant au niveau national qu'au niveau local. Et là, il faudrait entrer, bien sûr, pour bien comprendre cette dimension politique, dans le rôle plus spécifique des élus du Lot, dans les relations pas toujours simples entre la municipalité de Cahors et le monde du vin. Hein, l'identification de la ville de Cahors à son vin n'a pas toujours été d'évidence, hein, toujours quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc communication, représentation, et dans cela, et c'est le triomphe, entre guillemets, triomphe c'est peut-être excessif, en tout cas indéniablement un succès des exploitants individuels par rapport à la cave coopérative, c'est un groupe, une forme de communauté du Cahors haut niveau qui, par leur exploitation, communiquent eux-mêmes sur leur propre vin et arrivent à s'intégrer à une communication plus large, à apporter cette identité. Et enfin, je verrai dans ce troisième élément de ce triangle la nécessité de la cohérence. Et cela, ce n'est pas du tout évident dans la communauté cadurcienne. On le voit dans cette histoire, il y a eu des tensions à chaque échelon
des stratégies qui n'étaient pas toujours les mêmes, des intérêts qui étaient parfois contradictoires. Ça se retrouvera dans la période ultérieure, que je ne traite pas aujourd'hui, sur d'autres enjeux. Il y a une relation que je qualifierais de complexe entre producteurs et négociants, que la création de l'UIVC a en grande partie permis de canaliser, d'organiser, de structurer dans un dialogue plus constant. La prise de conscience dans la période la plus récente d'un destin commun. Ce destin commun n'avait rien d'évident, en tout cas dans les années 1930. Et puis, cette distinction entre les niveaux, je dirais, de producteurs, avec des gros producteurs, des petits producteurs, il y avait encore, moins maintenant, mais il y avait beaucoup de tout petits producteurs à Cahors qui voulaient conserver leur activité, donc création de tensions. Alors, est-ce que tout cela est spécifique à Cahors? Il y aurait sans doute, sur ces questions précises, des études comparatives à faire. Il y a souvent des études comparatives entre les très grands vignobles. Je crois qu'il y aurait des travaux à faire sur des vignobles de taille plus moyenne, de réputation moins internationalisée, en tout cas en quantité de production et d'exportation, hein, en chiffres. Mais il me semble que cette dynamique incessante entre la capacité à se regrouper et la persistance de tensions au moment où il faut trouver une voie commune a marqué l'histoire de Cahors. Et ce qui marque encore tout cela, et on l'a vu avec Léonard très régulièrement dans toutes les interviews, c'était cet attachement au cépage. Le cépage Malbec qui a permis... même chez des petits producteurs qui nous disaient « Oui, non, là, on tient énormément à cela. Mon père tenait à cela. » Et donc, dans cette recherche de la cohésion, il y a ce qui est beaucoup plus que de la communication. Il y a ce cépage et il est bien sûr au cœur de l'appellation. Il était inutile de le souligner. Alors, pour terminer, deux petites étiquettes, deux cuvées réservées. Clin d'œil aux élections récentes, hein, la cuvée du 70e anniversaire du Parti communiste français. Et puis, et je terminerai là-dessus pour mettre un peu de baume au cœur, la fête de la rose avec ses cuvées spéciales, évolution depuis Hollande jusqu'à d'autres personnages et bien sûr Ségolène. Petit clin d'œil pour conclure en vous remerciant. Merci beaucoup pour cette très très riche mise en perspective de l'histoire de Cahors et de son origine. Et puis le lien qui peut exister entre le politique, l'étiquette qui place au cœur de cette histoire la notion de réputation, hein, je trouve qu'il y a une mise en perspective tout à fait remarquable. Alors justement la réputation, c'est ce qui peut faire un vin ou le détruire, ou créer son marché, ou au contraire... faire que ce marché se porte mal. Au-delà des influences politiques, je passe la parole à Fabrice Beaugrand, afin qu'il nous éclaire sur le rôle des guides. Comme j'avais commencé à vous le dire, mon discours va être un petit peu différent de mes prédécesseurs, puisque eux s'appuient sur des faits, et moi, en tant que dégustateur, je m'appuie beaucoup plus sur des sensations. Donc je vais vous parler un peu de l'évolution du goût de Cahors sur ces 50 ans, puisqu'on fête le 50e anniversaire de Cahors. Et si on revient en 71, malgré tout ce qui a été dit, on est encore sur un vignoble qui est très jeune. Les vignes ont été replantées après la guerre, il y a eu le gel en 1956, donc on a des vignes relativement jeunes. On n'a pas l'œnologie moderne, il faut voir que l'œnologie moderne est apparue dans les années 80 à Bordeaux. Donc c'est encore ce qu'on pourrait qualifier un peu d'une préhistoire en termes d'élaboration de vin. On a beaucoup de domaines qui sont aussi en polyculture, des apporteurs de raisins, donc qui sont rémunérés à la quantité de raisins qu'ils vont apporter et pas forcément à la qualité des vins. On n'est pas encore dans une logique de valoriser ces vins, donc de vendre soi-même ces vins. Il y a aussi l'avènement d'une forme de distribution qui est la grande distribution.
qui va s'appuyer sur des vignobles comme Cahors pour avoir quelque part des vins à petit prix, les positionnant un peu en dessous d'autres vignobles beaucoup plus célèbres. Donc, qui fait qu'en fait, la première partie de Cahors dans les années 70, on a des vins qui vont parfois manquer de maturité. Lorsqu'on a des rendements importants sur des raisins, on a des raisins qui ne vont pas forcément mûrir de manière optimale. On est dans une décade qui n'est pas forcément fantastique en termes de millésimes partout en France. Il y a peu de millésimes qui sont restés célèbres dans ces années 70. Donc les vins de Cahors sur la première décade, on va être vraiment sur des vins qui vont parfois manquer un peu de maturité. On va avoir un peu ces arômes végétaux. On va avoir des vins qui sont nés avec des forts rendements, donc parfois aussi des tanins qui vont être un peu rugueux. À la dégustation, on va dire que ça donne cette impression de vin que certains qualifiaient à l'époque de râpeux. Donc ça, c'est vraiment le début de l'appellation de la première décade. Après, il va y avoir une grande révolution, parce qu'on pense que le vin, c'est une fabrication millénaire, on l'a entendu, mais le vin tel qu'on le consomme et qu'on l'élabore aujourd'hui, ça a une quarantaine d'années. Hein. C'est apparu, j'irais, on va donner le top départ à Bordeaux au début des années 80, avec une prise de conscience de la nécessité d'avoir de l'hygiène, de remplacer un parc à barriques, un parc de contenants qui était peut-être un peu ancien, l'avènement d'œnologues conseils à Bordeaux, l'apparition de critiques à la fois en France mais surtout aux États-Unis qui vont devenir très influents pour le vignoble, va faire qu'il va y avoir un véritable décollage du vignoble bordelais dans les années 80. La succession de millésimes aussi de bonne qualité dans ces années va faire que Bordeaux va décoller et va indirectement ou directement influencer Cahors, puisqu'un certain nombre de vignerons vont s'intéresser à ce qui a fait le succès des vins de Bordeaux et va essayer de l'appliquer à Cahors. Donc on va avoir une phase dans les années 90 avec certains pionniers qui vont réduire les rendements. Donc on aura beaucoup moins de raisins par pied de vigne. Donc des vins plus concentrés, des vins qui vont avoir beaucoup plus de goût. Et ils vont s'appuyer aussi sur cette œnologie bordelaise pour utiliser ces barriques neuves, pour essayer d'amadouer ce Malbec, essayer de polir un peu les tanins. Et on va voir donc une deuxième génération de goût, j'irais depuis le début de l'AOC, sur des vins beaucoup plus concentrés, beaucoup plus puissants, qui naissent jeunes, très impressionnants par leur structure tannique et qui, en dégustation en vin jeune dans les années 90, rivalisent avec les grands Bordeaux. Donc ça va donner un énorme coup de projecteur sur Cahors, qui n'est plus des vins à petit prix qu'on achète en grande distribution, mais on commence à avoir quelques domaines qui arrivent à produire des vins qui naissent très impressionnants et qui sont capables de rivaliser au moins en dégustation primeur avec les grands Bordeaux. Avec aussi la contrepartie qui est que ça va devenir des vins qui vont être identifiés comme des vins de garde. C'est des vins qui sont un peu difficiles à consommer jeunes. On se projette sur le futur, on achète ces vins, on les met dans sa cave en se disant c'est à boire dans 10 ou 15 ans. On est à la fin des années 90 et effectivement il y a cet élan à Cahors pour des vins beaucoup plus ambitieux. Je n'ai pas de photos pour vous montrer les domaines, mais il y avait un certain nombre de pionniers qui ont fait changer la vision des amateurs sur les vins de Cahors. Arrivent les années 2000 et là il y a un changement aussi quelque part de mode de consommation. Un consommateur qui est de plus en plus urbain, qui n'a pas forcément une cave pour conserver ses vins, et de plus en plus on a des consommateurs qui veulent des vins à consommer jeunes. On n'est plus dans une logique d'avoir une cave, d'attendre 15 ans pour consommer ses vins. Et parallèlement à ça, il y a l'avènement d'un autre vignoble, par exemple, on pourrait parler du Languedoc, qui est capable de mettre en marché des vins qui sont à boire tout de suite, et finalement qui vont rentrer un peu en concurrence avec d'autres régions qui étaient plus dans une logique de vins de longue garde. Les caves sont pleines aussi de vins de longue garde, on a envie d'avoir des vins à boire un peu plus vite. Et donc la Cahors va devoir se réinventer. Le salut était passé par ces vins relativement puissants et de garde influencés par les grands Bordeaux. Et là, il va falloir un peu se réinventer et être capable d'avoir des vins qui soient beaucoup plus en phase avec les attentes du consommateur moderne, qui est des vins à boire relativement rapidement.
Parallèlement à ça, il va y avoir une arrivée d'une nouvelle génération sur le vignoble de Cahors dans les années 2000, la fin des années 2000. Des vignerons qui sont, on va dire, formés, ou mieux formés qu'avant. On va beaucoup plus à l'école, on apprend à faire du vin, on a fait des stages à l'étranger dans l'hémisphère sud, on a eu une ouverture d'esprit. Peut-être qu'au moment de l'appellation, on était beaucoup plus sur des vignerons qui avaient appris de leurs parents. Là, on a une génération qui arrive, qui a appris l'œnologie moderne et qui va chercher à révolutionner ce vignoble, à changer et à essayer de produire des vins beaucoup plus accessibles, l'accessible jeune. J'ai entendu parler tout à l'heure d'innovation. Effectivement, aujourd'hui, rétrospectivement, je pense que Cahors, c'est un vignoble qui a probablement le vignoble qui a le plus innové ces 10 dernières années. Il a été aussi aidé par un changement climatique qui faisait que peut-être que dans les années 70, beaucoup de régions, les vins ne mûrissaient pas comme maintenant. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'enjeu pour arriver à faire mûrir, mûrir le Malbec. On a vu aussi cette réduction un peu de barriques, de bois neuf, qui avait un peu tendance au début des années 2000 à masquer le goût du Malbec. Et avec cette nouvelle arrivée de vins beaucoup plus friands et beaucoup plus sur le fruit, on a redécouvert le Malbec, qui était parfois effectivement un peu caché et masqué par le bois. Et on s'est aperçu que c'était un super cépage. On l'avait déjà vu à différentes occasions, voire dans d'autres pays. Mais là, on s'est aperçu que c'est un cépage qui pouvait probablement rivaliser avec la Syrah, qui est la grosse cote des 20 ou 30 dernières années, avec des arômes de myrtille, de fruits noirs, une belle prise de bois lorsqu'on a des belles barriques, des notes qui peuvent être aussi florales, de violettes. Et finalement, on a redécouvert la capacité du Malbec à produire des vins qui peuvent être étonnants et étonnants jeunes. Je parlais d'innovation, l'utilisation un peu moins systématique de barriques et de bois neuf, l'apparition d'essais très, très concluants et très intéressants, de jarres, d'amphores, le retour à l'utilisation de cuves béton. Cahors étant parmi les premiers à s'intéresser à ce type de contenant avec le succès qu'on connaît. Il y a eu aussi toute une mouvance de vins nature, donc parfois avec des vins qui pouvaient être un peu déviants et pas passionnants. Mais Cahors aussi a été un peu après le Beaujolais parmi les premiers vignobles à s'intéresser, à essayer de vinifier sans soufre. Et ça a aussi révolutionné le style des vins puisqu'on est arrivé à des vins encore plus fruités. Le Malbec ayant des propriétés antioxydantes a probablement moins besoin de soufre que les autres vignobles. Mais dans ce souci d'innovation de toute une nouvelle génération et des anciens, ils ont réussi à mettre au point un nouveau style de vin qui aujourd'hui fait partie des plus désirables en France, dans le sens en adéquation avec ce qu'attend le consommateur moderne. Donc c'est des vins de fruits. Des vins friands, des vins qu'on peut consommer jeunes, sans perdre aussi la capacité de produire des vins de garde, des vins structurés, des vins bâtis. On trouve d'ailleurs dans nombreux domaines les deux profils, le profil qui pourrait concurrencer des Beaujolais. Ça leur a fait drôle aux vignerons du Beaujolais quand je leur ai dit qu'il fallait qu'ils goûtent il y a quelques années ce qui se passait à Cahors, parce qu'il y avait des vins qui étaient vraiment capables de rivaliser sur le côté friand et très facile d'accès à jeunes avec leurs vins. Et des vins qui sont construits pour la garde, avec, à mon avis, aujourd'hui, une capacité à se bonifier encore plus que par le passé, parce que mieux nés, mieux élevés, mieux maîtrisés, et qui vont quand même pouvoir se goûter relativement jeunes. Aujourd'hui, si je devais résumer la situation et le goût de Cahors, je pense que le goût a rarement été aussi en adéquation avec l'attente des consommateurs. Je le vois moi régulièrement, dès que j'arrive à convertir quelqu'un et à faire goûter un Cahors, en général, il y revient. C'est aussi une région qui a un avantage concurrentiel énorme, c'est qu'on trouve des pépites à des prix vraiment qui défient toute concurrence. Si vous cherchez des rapports prix-plaisir, c'est dans le sud-ouest et c'est à Cahors. Aujourd'hui, on a des superbes vins pour des prix encore raisonnables, pourvu que ça dure. Malheureusement, le consommateur français est plein d'a priori. Probablement que les premiers vins qu'il a rencontrés, peut-être dans les années 70 ou début des années 80, lui ont ancré dans la tête que c'était des profils de vins un peu rustiques. Et c'est une légende qui dure et qui perdure. Et j'observe quand même que sur le marché national, il y a encore ces a priori chez certains.
Alors que dès qu'on s'intéresse au marché international, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de pays qui ont fait confiance à Cahors, probablement avant le marché français. Je pense aux US, où Cahors a fait des percées très intéressantes, aidé probablement par le marketing qu'avaient fait peut-être les Argentins un peu avant eux, en faisant la promotion du Malbec sur le marché nord-américain. Mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de consommateurs à l'extérieur de la France qui ne s'intéressent pas forcément à l'origine et aux étiquettes et qui goûtent et qui s'aperçoivent qu'on fait des vins assez fantastiques dans cette région. Donc si je devais vous donner un conseil, goûtez les Cahors. Si vous aimez ça, c'est normal et faites confiance à votre palais. Voilà. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, il nous incombe donc de conclure cette demi-journée d'une vraie richesse. Tout d'abord, je voudrais dire que nous sommes, et je parle au nom de tous les vignerons de Cahors, très impressionnés et très fiers d'être ici, dans cette université, chargée d'histoire et de culture. Et c'est vraiment, très sincèrement pour nous, un très grand honneur de pouvoir aborder ici l'histoire du vin de Cahors. Je me réjouis aussi, et je pense qu'on peut s'en féliciter pour l'appellation Cahors, d'avoir pu, par votre entremise à tous, agréger les plus grandes compétences en matière d'études historiques, en matière de recherche, en matière d'archéologie, des compétences lotoises, hein, on le voit très bien aujourd'hui ici, et bien sûr des compétences à échelon national. Je vais être très bref dans ma conclusion, parce que la demi-journée a été très très riche d'échanges. Ce que je retiendrai, c'est un petit paragraphe de Pascal Griset sur le vignoble de Cahors, et surtout concernant l'intensité des relations entre les uns et les autres au cours de l'histoire du vin de Cahors. Je crois que justement, ce qui a fait la force de ce vignoble dans une histoire assez contemporaine, assez proche, c'est que ce vignoble est constitué d'hommes et de femmes avec énormément de caractère, avec énormément de conviction et des hommes et des femmes très passionnels. Ce qui a engendré, bien sûr, des débats dans l'exercice de notre métier, des débats, ça peut aussi entraîner des dégâts, mais ça a entraîné des débats extrêmement riches, extrêmement forts, avec des avis souvent contradictoires, mais justement, ce sont ces débats qui, chaque fois, ont fait avancer l'appellation Cahors. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu des moments de tension, il y a eu aussi la capacité, l'intelligence de trouver le compromis. Et particulièrement dans ces temps difficiles, la recherche du compromis pour faire avancer une appellation, c'est quelque chose de primordial. Et on le voit très bien parce que, je crois que ça a été bien dit par Fabrice Beaugrand, on a enclenché à chaque fois, à chaque débat, à chaque période, un cran de plus vers la qualité. On a verrouillé ce cran. On ne revient pas en arrière. On a débattu, on a pu s'opposer, on a trouvé des compromis, mais chaque fois, on progresse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des bases de travail, on a une base de vin, on a un système qualitatif à Cahors qui permet de porter vraiment auprès du consommateur la confiance. Hein. La confiance, c'est pas du prêt-à-porter, hein. Ça se tricote maille après maille, il faut aller la chercher. C'est de notre responsabilité aussi, les dirigeants, avec nos adhérents, d'aller chercher la confiance et la reconnaissance du consommateur. Et voilà, je crois que c'est ce qu'on s'est attaché à faire pendant de nombreuses années. Je conclurai à dire qu'aujourd'hui, et depuis au moins 10 ans, le combat, mais c'est peut-être pas le mot, tous nos efforts sont concentrés sur la gestion de notre marché, d'une grande complexité, les évolutions sociétales que vous connaissez tous et qui nous imposent de nous adapter, mais de manière pragmatique, de manière réaliste, techniquement. Donc l'enjeu, il est de ce point de vue-là, mais aussi aujourd'hui, nous sommes tous unis, vignerons de Cahors, tous unis pour résister à l'évolution climatique. Ça peut paraître anodin après tout ce qui a été dit, après cette histoire aussi documentée,
que de parler aussi, et je pense que ça sera retenu quand on parlera de l'histoire du vin de Cahors, les 5 dernières années que nous venons de vivre, nous montrent qu'aujourd'hui, nous devons être 100% unis pour nous organiser, pour que tout simplement nos vignobles perdurent. On est dans une période de dérèglement climatique qui vraiment chamboule complètement toutes nos certitudes, toutes nos habitudes. Il y a des solutions, je crois que ça a été aussi abordé, il y a des solutions, il faut que nous ayons l'intelligence de les étudier, de les tester, mais nous sommes aujourd'hui contraints à être unis sur ce sujet-là pour l'avenir de l'appellation, pour l'avenir de nos enfants. Voilà, donc vous voyez, l'histoire est marquée en permanence par des événements sur lesquels il faut beaucoup s'attacher. Voilà, je vous remercie. Voilà, écoutez, pour conclure cette belle après-midi, je serai assez bref. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez déjà dit, sur ce qu'a dit Morin, sur remercier tout le monde. Pour une fois, j'ai écrit un petit peu. Souvent, je n'écris pas quand je parle à la fin. Donc, vous m'excuserez si je lis mes feuilles. Je vais essayer de dire un peu tout ce qu'on a dit, mais peut-être d'une autre façon, en essayant d'être un peu optimiste aussi sur le futur. Moi, je pense que Cahors nous pensons que Cahors est un monde à part, un monde avec de multiples facettes qui ne saurait se résumer ni en un mot, ni en une phrase. C'est un peu ce qu'on a déjà dit plusieurs fois tout à l'heure, que Cahors n'est pas un seul, mais plusieurs mondes à la fois qui s'incarnent dans la richesse de ces terres généreuses et sauvages et dans celle de ces hommes. Combatif et entier. On l'a vu, on en a parlé plusieurs moments de notre histoire. Cahors, c'est l'élégance autant que la puissance, c'est la finesse autant que la gourmandise, et c'est le plateau autant que les terrasses. Ce n'est pas une géologie unique, mais un terroir complexe baigné d'histoire. Ce n'est pas juste un cépage, le Malbec, mais ce sont toutes ses plus belles expressions. Un terroir permettant d'offrir une diversité incomparable, sous une seule et même bannière, sous une seule et même appellation. C'est toujours le cas. On a travaillé sur le fait d'avoir des classements, des premiers crus et des grands crus. On n'en a pas parlé tout à l'heure dans l'histoire parce que vous vous êtes arrêté avant, mais ça a aussi été compliqué il y a une vingtaine d'années. Donc en espérant que dans le futur, ça le sera un peu moins. Et plus encore, depuis... Je vais redire encore une vingtaine d'années, avec la production de vins blancs toujours plus qualitatifs. Donc c'est vraiment une appellation de rouge, mais vous avez posé la question tout à l'heure. Hein. On avait prévu de faire un petit mot là-dessus. Vraiment, les vignerons de Cahors, ils ont une âme de combattant. Nous avons surmonté tout un tas de batailles que chaque époque nous a imposées, mais chaque fois, les vignerons de Cahors ont rebondi. Et pour finir, je pense que, parce qu'on parle vraiment de vin de terroir à Cahors, vous me direz, on parle de vin de terroir partout, mais je pense que là, dans le fond des vignerons, c'est vraiment ça, quoi, que ces vins de terroir ne sont pas faits pour naître dans des carcans, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, mais c'est pour être le reflet de leur origine et de leur histoire. Et ça, pour nous, c'est important, l'origine, l'histoire. C'est pour ça qu'on parle vraiment de terroir. Pour nous, le terroir, c'est les origines, c'est l'histoire, c'est les hommes. C'est les hommes qui font aussi l'existence ou la complexité de ces terroirs. Et Cahors vraiment incarne cette vision en offrant des vins libres et surprenants, reflétant une géologie multiple et son cépage identitaire. On en a parlé plusieurs fois, ce fameux cépage Malbec. Et je pense que ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est donner une réponse à un monde qui est en constante évolution, où les consommateurs sont toujours en quête de plus de diversité, mais en même temps, tout comme les producteurs, sont en recherche de singularité et aussi de liberté. Je pense que c'est quelque chose qui a changé un petit peu avant, c'est qu'aujourd'hui, les vignerons ont envie d'être, pas de rester toujours bloqués dans ce qu'ils ont toujours fait. Alors c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a l'INAO, on a les appellations, ce sont les us et coutumes. Ça, je pense qu'il ne faut pas du tout que ça change. Mais à côté des appellations, je pense que plein de vignerons ont envie d'inventer d'autres produits, d'inventer d'autres styles de vin et de retrouver un espace de liberté. Voilà, je vous remercie à tous.